Alors normalement c'est revenu. Normalement on est de retour et normalement le son est un petit peu meilleur. C'est le moment de me le dire. Je vais attendre que tout le monde réarrive. Ou du moins que le live se... Je vais vous l'écrire dans le chat. Rafraîchissez le live. Ok, je vois des re. Donc du coup, re. C'était pas si long que ça. Est-ce que le son est meilleur? Est-ce que c'est bon? Il n'y a plus de grésillement, il n'y a plus rien qui casse tout, il n'y a plus de bugs, c'est bon. Apparemment, dans le chat, tout le monde me dit que c'est bien mieux, que c'est cool, qu'on me remercie, qu'on m'adule apparemment, que ma voix est la plus belle voix du monde. Non, ah non, c'est moi qui l'ai inventé. Bon, d'accord, c'est pas grave. Alors, du coup, je peux tranquillement remettre ça ici. On peut remettre le jeu. Le jeu m'a tué la tête. Ok, son du jeu c'est bon, son de ma voix c'est bon, image du jeu c'est bon, image de moi c'est bon, le chat est là, les gens sont là. Alors du coup on va pouvoir repartir, merci beaucoup Gabriel Georges, merci Super Trash encore une fois, un dernier pour la route, et eh bien merci beaucoup, et merci Raider Gaming. On est reparti, RIP les cheveux blonds comme tu dis, c'est parti, j'aimerais comprendre comment on marche ce niveau en fait, parce qu'il y a un principe de flèche. Non, plaquage au sol, il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que je suis censé attendre d'une manière ou d'une autre ou appuyer sur un bouton en particulier? Non. Tous les boutons que j'ai sur ma manette en fait. Ah non, mais ils me disent appuyer sur A. Plaquage au sol. C'est quoi A pour vous? Est-ce que c'est au moment où il apparaît? J'essaie de comprendre juste. Non. Il y a un truc qui va pas. Ils me disent bien appuyer sur A pour faire un plaquage au sol. C'est peut-être avec un bouton de mon clavier. On va tourner en rond. Je vais tester toutes les touches de mon clavier. Ah merde! Ah, peut-être que c'est au moment de sauter, vous voulez dire? Peut-être que c'est quand on saute qu'on change de gravité? Oh merde, putain, c'était ça. Oh merde, c'était ça. Oh, ça va être le bordel. Ok, donc quand on saute, j'appuie sur ce bouton et... et la gravité, le sens de la flèche, en fait, me repousse vers le sol. Voilà, hop. En fait, j'aurais pu l'utiliser pour voler encore un peu. Ah, et il va de lui-même s'accrocher. Ok. Et j'ai pas un milliard de gravité en fait. Ouh, que c'est pas facile. Et du coup, on va se mettre dans l'axe. Oh là là, qu'il est dur ce niveau! Qu'il est dur ce niveau! Mon Dieu! Je m'accroche. Je ne lâche rien. Là, tu vas essayer de te mettre. Et comment je suis censé me mettre droit quand je suis en... quand je tombe là-dessus? Peut-être partir comme ça. J'ai envie d'essayer un truc et de partir tout droit. Sans passer sur les côtés. J'y arrive pas. Ça marche pas. La gravité contre toi. Je galère. Je galère dès le début du live. C'est pas bon ça. Si je saute et que je me recadre sur la droite. Ah. Je vois. D'accord. Je saute et je me cadre comme ça. C'est super dur. C'est super dur. Il faut que j'aille dans la direction opposée où il y a le sol en fait. C'est beaucoup plus dur que ce qu'il y avait en vidéo hier. Hein. Non, reste au sol. Là, je pars là. Je me mets dans ce sens-là. Allez, accroche-toi. C'est pas facile. Voilà, je me colle là. Ah, peut-être qu'il faut que je force aussi sur la gravité, finalement. Accroche-toi.
Accroche-toi, et voilà. Bon, de toute façon, ça se recharge. D'accord, en fait, ça se recharge, donc finalement, je peux l'utiliser autant de fois que je veux. J'ai compris comment ça marche, c'est bon. Il faut beaucoup jouer avec la gravité. Il faut faire que ça, en fait. Dès que t'arrives dans l'axe, en fait, tu forces. Tu forces le trait, et tu te rappuies au sol, en fait. Là, tu te laisses pousser, tu te mets dans l'axe, et tu te rappuies fort au sol, comme ça. Là, ça saute, tu te rappuies fort au sol. Là, tu prends beaucoup d'élan, tu te rappuies fort au sol. Et j'imagine qu'il faut pas aller dans le trou noir. Il y a plein de bumpers. On était obligé de les prendre. Ah, ok. Tout droit. À l'envers. À l'envers. Quoi? Ils m'ont mis en scène un bouton pour mettre à l'envers et c'était quoi? J'ai pas vu. Il y a la souris à l'écran qui gêne. Je la vois, elle est en bas. Youp là, elle est plus là. Elle a disparu. C'est bon. C'est bon. Hop, au sol directement, c'est bon. Bumper, on touche pas. Il faudra juste que j'ai le réflexe de regarder quelle touche il me demande d'utiliser. À l'envers. Ah, il faut que je me mets à l'envers. Oh oui. Oh. Vous êtes fous. Et c'est tant que je retouche pas le sol qui me redonne pas de gravité. En fait, il faut que je me mette à l'envers et que je demande à la gravité de me lever vers le haut. C'est super dur. Waouh. Mais je l'ai. C'est bon, je l'ai. J'ai compris. Ça a mis du temps à rentrer dans mon cerveau, mais je l'ai. Non, là, je l'aurais pas. Ah oui. Eh oui. Eh oui. En fait, je peux naviguer un peu où je veux tant que j'ai de la gravité pour le coup. Super, ta nouvelle coupe. Ben merci, c'est la coupe que j'ai toujours eu pendant des années, mais merci. Et voilà, et en fait c'est quand je roule que ça se recharge. D'accord, vas-y, charge, charge, charge. Et là, vloup. Bon, ça on l'a compris. Par contre, il va falloir y aller tout doucement pour se mettre à l'envers et repartir vers le haut. Je me mets bien dans l'axe. J'y vais tout doucement, tout doucement. Oh, oh, oh. Eh oui, mais non, parce qu'il se recharge pas. J'ai une grande base devant moi pour essayer d'atterrir un peu maladroitement. Oui, ce mot existe, mais ça reste compliqué. Alors, j'ai vu des donations qui sont passées, j'ai pas eu le temps de les lire, je vous lis juste après ce niveau. Je suis pas sûr que le trou noir qui est en face de moi... Il y a un chapeau là-haut! Je l'avais pas vu. J'irai pas le chercher. Allez. On peut le faire. Faut juste y aller doucement. Et là, on se remet droit. Qu'est-ce qu'il était dur ce level, mais qu'est-ce qu'il était dur, mon dieu. Waouh. Bon, coup de chance. Alors, qui c'est que j'ai raté? Moustache, Tron, BBGM, merci. Zouzou, eh ben finalement non, c'était le bouton A. TZX Gaming, qui aime les chats, Matiboy BD, Jeux Mobile et compagnie, j'imagine, et qui c'est qui est devenu sub à la chaîne, merci, et de nouveau, Moustache Tron. La maîtrise. Tu maîtrises la manœuvre, Omnibus. Merci pour vos GG. Oh, arrêtez. Ce n'est rien. Arrêtez. La lune est ton terrain de jeu maintenant. Amuse-toi bien. Je suis bien content de pas avoir fait ces niveaux en vidéo. J'en aurais chier de ouf. Le jeu n'est pas gratuit. Non, la démo est gratuite. Mais le jeu est payant sur Steam. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Football Joe, hey, on l'avait vu lui dans la vidéo. Omnibus, l'intelligence artificielle des voitures autonomes 2 est devenue folle. Elle fonce dans... Oh non. C'est exactement comme le niveau qu'on avait fait sur le toit d'une maison où plein de voitures arrivent et il faut survivre pendant 30 secondes, non? Ou non, 60 secondes. Oh non. Évite le trou noir pendant 60 secondes. Oh non. Merci, Sans... Alors, comment tu le dis? Santord Lee. Sandstorm Lee. Et merci Moustache Ron et Underfire Monster. Donc là,
60 secondes de malheur. Quoique tu me... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai perdu? Il y a des endroits où on s'éloigne trop? Il y a des limites, c'est ça? Déjà que moi dans ma vidéo, le coup des 60 secondes, j'y étais réussi du premier coup, oui. Mais dans la première vidéo, la première fois que j'avais joué à ce jeu, non, j'avais pas du tout réussi. Je sais pas, est-ce qu'il me suffit de juste tourner en rond comme ça pour que ça se passe? J'ai vu des lunettes. J'ai vu un chapeau. Ah, lunettes! Les voitures, combien de temps? Ça fait que 15 secondes que je tiens. Oh là là. Il me suffit de tourner en rond, j'imagine que je suis un petit peu tranquille. C'est pas trop sûr non plus. Si on commence à avoir de plus en plus de voitures qui vont se bloquer et donc ne plus bouger et donc prendre de l'espace, je suis à combien là? NON! J'étais à 20 secondes. Oh là 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 là. Ici. Ah mais attendez. Ah j'ai pas capté. J'ai le pouvoir de gravité. Je possède le pouvoir de gravité. Donc si je fais ça par exemple, je peux revenir au sol direct. Pas bien du tout. Chaud. D'accord, j'ai pas le droit de passer à l'intérieur du cercle des premiers bumpers. C'est la limite, disons. Oh là là, on va même éviter tout en fait. Il faut juste rouler dans le vide sans chercher à y arriver. Et si jamais j'ai un contact avec une voiture, par contre... Voilà, je viens d'essayer à l'instant. Il y a une voiture qui me met un petit coup. Je fais la gravité et en fait, ça va pas me perturber, ça va pas me faire bouger. Donc, c'est finalement pas si impossible que ça. Là, il y a une voiture qui vient me toucher, j'aurais dû tourner un peu sur le côté, là aussi. Oh non, ça va. Ah non, ça peut le faire en fait. Juste anticiper un peu où sont les bumpers. Voilà, là je l'active. Et bien je peux l'activer en continu en fait, vu que je roule en continu. 14 secondes encore, je peux le faire. C'est possible. Faut juste pas toucher les bumpers orange, c'est ça qui va me faire m'éjecter. Mais je roule beaucoup plus vite qu'avant, c'est pas normal. C'est bon. Ouf. En fait, t'étais complètement obligé de jouer avec la gravité. Content que tu en sois sorti, merci Football Joe. Bonjour à tous ceux qui arrivent, bienvenue, j'espère que vous passez un bon petit dimanche avant la reprise de l'école demain. Bon courage à ceux qui ont école demain. Merci beaucoup, Azrial. Le fermier. Bonjour petit gars, tu peux nous filer un coup de main pour l'arrosage et la moisson? La moisson? C'est pas la mousson? Ah non, merde, je confonds. Ah non, mais pas du tout en fait. De cette année, il nous faut 150 épis de maïs. Mais je crois que petit rigolo a aussi semé des bumpers dans le champ. Ah, ok. Alors, 150 maïs, c'est pas un peu énorme? Où sont les maïs? Ah, ils sont là. Mais ils étaient pas là avant. Mais est-ce qu'on ne serait pas un petit peu dans un jeu Minecraft? Le brutal me fait trop penser. Ah putain oui, il y a des bumpers qui apparaissent au milieu. Je suis à 40. Oh ça, ça pourrait aller vite non? Par contre ceux qui sont collés aux bumpers risquent d'être bien compliqués à choper je crois. En fait du coup c'est qu'il y a des maïs qui pop en temps réel sur la map. Mais il y a aussi des bumpers. C'est pas grave. Je vais me remettre droit. Regardez. Tout va bien. Ça. Ça c'est grâce à mon... Mais t'es chiant en fait. Vas-y, remets-toi droit. Voilà, pas trop non plus qu'on tombe pas. En fait ça c'est grâce à mon chapeau cornet de glace qui du coup m'empêche de finir sur le toit du véhicule. Et du coup c'est cool parce que du coup je ne serai pas bloqué. On a combien? 140? Mais c'est bon là, on a gagné. C'était tellement dur. C'est toi qui plante les maïs. Ah bon? Ah putain, mais t'as raison, j'ai un arrosage derrière moi. C'était moi qui plantais les maïs, et c'est pour ça qu'ils apparaissaient toujours au même endroit, c'est parce que du coup je tournais en rond comme un con. Je suis vraiment très mauvais. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai réussi le niveau. Bienvenue et bonjour Onilink. Tu es devenu sub de la chaîne, merci, c'est gentil. Pense à les 3 personnes qui ont sub à la chaîne là depuis le début du live. Venez dans la description, tout en bas il y a un lien Discord pour vous, mais aussi pour tous ceux qui m'écoutent et qui ont envie d'avoir un lien Discord. Venez tous, vous êtes tous les bienvenus. Omnibus, le maire de la Lune se marie aujourd'hui. Je veux que tu emmènes quelques astronautes sur le lieu de la cérémonie pour égayer la fête. Quand tu auras déposé assez d'invités,
Oh, est-ce que c'est encore le jeu où j'ai des invités sur le dos, ils doivent pas tomber? 40 jeux. Oh non. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Et alors, qu'est-ce que je dois... Ah non, je dois les déposer. Donc je suis... Ils me demandent de faire exprès de tomber à Londres. Ah d'accord. Voilà, et là, du coup, je les dépose tous. C'est trop bien. Et bien là, par contre, je viens d'en perdre au mauvais endroit, c'est ça? Ok, j'ai la ref, je comprends ce qu'il faut faire. Voilà, et là, je vide, je vide, je vide. Pourquoi il n'y a pas un seul qui est tombé? Je sais pas quoi faire. Stop. Attends, attends, laisse-moi réfléchir un peu. Non. Ça, il faut, je pense qu'il me faut un peu plus de vitesse. Arriver plus droit. Là, vous tombez, les gars, vous tombez, les gars. Ah, je retombe droit. Oh, c'était hyper stylé. Je suis juste au-dessus d'eux, je saute. Elle est tombée. Oui. Ah mais oui. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est tellement ça qu'il faut faire. Ah non, ça c'était pas bien. Je peux retomber droit. Non, ok. Il faut faire ça. Tu les lâches et tu retombes directement sur tes roues. C'est trop fort. On va la refaire. Ah non mais il y a un autre bumper là-bas qu'il faudrait que j'évite par contre. Oh c'est dur. Mais par contre je sais pas combien j'ai d'astronautes avec moi dès le début. Si j'en ai pile 40 ou si ça va c'est safe, j'en ai assez. Allez tombez, tombez, tombez. Non, tombez plus s'il vous plaît. Je crois que j'en ai encore pas mal hein. Bon là je vais en perdre beaucoup je pense. Ouais, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Ok. Ah oh, merde, là il est bloqué. C'est dur, hein. Pour Discord, il n'y a pas besoin d'être membre. Alors, pour Discord, tout le monde peut venir. Il y a des petits salons pour parler d'un peu tout, si je puis dire. Tout ce qui est lié au let's play que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, à des jeux vidéo, à genre des... Il y a des chaînes Nintendo, tout ça. Mais va voir le Discord, tu comprendras plus. Par contre, il y a des petits salons qui sont réservés aux subs. Oui, 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 tombe à l'intérieur, tombe à l'intérieur. S'il te plaît. Oh oui, non, pourquoi? Oui, 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 oui. Allez, mets-toi mal, mets-toi mal, mets-toi mal, mets-toi mal, mon petit. Non, non, pas par là, non. Vas-y, remets-toi bien, remets-toi bien. Et évidemment, t'es plus à l'intérieur et là, tu vas... Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est fini. Tu es coincé. Essaye de te bloquer à l'intérieur. Mais totalement. Mais j'aimerais tellement. Faut que je fasse un grand tournant comme ça. Pouf. Et là, faudrait que je tombe juste sur le côté. Peu d'espace, en fait, pour le faire. Et là, paf, je tombe dedans. Allez, tombe sur le côté comme tu te bloques à chaque fois. Et pourquoi quand je suis à l'intérieur, tu veux pas te bloquer? Voilà, je suis là comme ça. Et là, tu veux pas te bloquer un petit coup? Oui, oui, bloque-toi, bloque-toi, bloque-toi. Oui, bloque. C'est chiant le jeu. Tu te bloques partout sauf là-dedans. Et là, il se remet droit, c'est dingue. Allez, lâche. C'est fou. C'est fou. Et là, je suis n'importe où ailleurs dans le jeu et tu vas voir qu'il va se bloquer. S'il te plaît, remets-toi droit. Ok, c'est bien ça. J'arrive pas à me remettre droit, c'est terrible. Et il est bloqué. Ah, Discord ne marche pas et pourtant... Si, si, Discord il marche très bien. Hein. Qu'est-ce que tu dis? J'essaie de faire deux slaloms au lieu d'un pour voir si c'est possible. Oh oui, c'est possible. Ça fait déposer 10 personnes. Ça peut être bien ça. Ça, c'est pas trop ce que je voulais faire. Mais t'étais... Bah d'accord, je vais pas chercher à comprendre. On fait deux petits slaloms. Ce jeu. Oh oui, ok, tu t'es remis droit, c'est bon. J'ai voulu éviter le bumper.
Mais j'ai encore beaucoup de personnes avec moi, je crois. Ouh, pas tant que ça, en fait. Mais il me reste encore au moins 9, ça, c'est certain. Donc, je peux le faire. Faut juste y aller doucement. Doucement. Prendre assez d'élan. Se mettre à l'intérieur. Et tomber. J'ai lâché une seule personne. Non, je me suis bloqué. Non, il est chiant ce niveau. Il est trop chiant ce niveau. C'est infini, vous me dites? Je suis pas sûr que ce soit infini. Mais si c'est le cas, c'est cool. D'accord, bon, les gens disent qu'il t'en reste pas 9, ils sont infinis. Oh, cool. Tiens, en un coup, je viens d'en poser quasiment la moitié. Pas moyen de le faire plus souvent, ça? Allez, lâche, lâche. Oh non, il est chiant. Je peux pas me bloquer à l'intérieur, c'est clair. Le jeu refuse. Faut pas être très bon celui-là. Oh si, quoique. Allez, on a fait plus de la moitié. C'est pas fameux. Hein. Allez, vas-y. Vas-y. Je les entends pourtant, les tchac 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 tchac. Et pourquoi ils me les comptabilisent pas plus que ça? Oh. T'as vu ce que j'ai fait là? La petite figure, j'ai pas lâché une seule personne. Ah oui, tu vas te remettre pile droit dans l'axe. C'est beau ça. Et là tu retombes pile sur tes pattes. Oh oui, c'est bien. Et 15 personnes encore? J'ai lâché personne. Je comprends pas ça. Regardez 15. C'est... Ah oui, là ça tombe un peu, mais que 3. Y'a pas une personne qui descend. Allez les gars. Voilà. Là j'ai fait un petit tour sur moi-même. Là c'est mort. Ok. Coince-toi proche du truc et les bonhommes en sautant vont sauter. Proche du truc. Ce qui serait fou, ce serait de tomber à la renverse. Juste à côté. Mais pas d'être dans le truc vert qui m'empêche d'être bloqué. Tu vois, un peu comme ça là. À la moitié. Attends, je suis désolé, ils sont en train de tomber mes copains là. Le jeu m'a empêché de jouer. C'est pas très très gentil ça. Oh, 43 sur 40. C'est d'où? Je suis coincé. J'en ai marre. Là, j'en ai fait tomber beaucoup, là. Ah non, pas plus que ça. J'ai roulé sur un mec à moi. Bon, ce niveau m'a gonflé. On va aller faire un autre niveau, on reviendra sur celui-là plus tard. Il est chiant, ce niveau. Ce jeu s'appelle Sun. Ah, il était chiant, ce niveau. Alors, mère de la lune, Omnibus, alerte rouge. Nous sommes attaqués par des aliens. Je t'en prie, Omnibus, fonce dans ce maudit vaisseau ennemi et montre-lui que le peuple de la lune sait se défendre. Ah, ah, merde, putain, on va jouer avec la gravité. J'aime ça. J'aime ça. Si le jeu me permet juste de me remettre droit à un moment ou à un autre. Là, ok.
Alors, la santé du boss. C'est comme le méga grand train, le grand wagon que j'avais tué en vidéo. Alors, est-ce qu'il faut juste attendre qu'il passe à un endroit précis? Comment je fais pour l'attaquer, le petit? Peut-être que quand je suis dans son truc vert... Ne me dites pas qu'il faut que je me mette à l'envers comme ça et que j'aille sur lui. Oh non. Oh non, je crois que c'est ça. Oh non. Ah ouais, c'est ça. Oh non, c'est ça. J'ai tellement pas envie de jouer comme ça. Hop. Et c'est dur en plus de le toucher. Oh, ça va. Oh, on lui fait grave mal en plus. Oh, ça va, oui. Ah, d'accord. Ah non, 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 d'accord. Oui, c'est possible en fait. Sauf si tu veux l'éviter, mais sinon c'est possible. Oui, 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 c'est possible. Ah, j'ai plus de gravité. Retourne sur tes papattes. Non, omnibus! Ah oui, il reste bloqué dessus. D'accord. Il faut le faire quoi? 4 fois? 4 fois, c'est possible. Faut juste que je sache... Ah ouais, il faut juste prendre énormément d'élan. Attention à la vitre. Là, ici. Ouais, ouais, ouais. Oh, même que 3 fois, je pense que ça peut suffire. Ah, mais j'avais un gros truc au niveau du nez, j'avais pas capté. Bon, on va encore prendre un petit peu plus d'élan. Non, là, il est trop proche de moi. Il faut que je sois assez éloigné, trouver le bumper éloigné de lui. Ok, celui-là. Celui-là fera l'affaire. Juste se mettre dans l'axe. Il a bougé, il a bougé, il a bougé, il a bougé. C'est pas grave. Ah, non, non, oui. Ok. Oh, ça c'est pas cool ça. Pas cool. Putain les putes. Oh, je le crois pas. Désolé d'avoir crié. Je suis dégoûté. Eh, je l'ai touché. Ah, quand t'attrapes le chapeau, tu lui fais plus mal. Bon. C'est bon, je me concentre. Non, je l'ai loupé. Ne tombe pas sur le bumper. C'est bon. Yes. Ouais, c'est faisable. C'est grave faisable. Sauf que j'ai perdu le chapeau, je suis déçu. Merde, j'ai chopé une bombe. Ah, c'est dur. Non, ce niveau est plus simple que l'autre. Ce niveau est plus facile que celui d'avant. Je ne ragerai pas. J'aurais pu attraper le chapeau. Allez, remets-toi droit, stabilise-toi. Ok, allez, encore une dernière fois. Tu te stabilises. Prends l'élan qu'il te faut. Et il n'y avait pas d'accès de bumper. Là, tu es dans l'axe. Risqué. Et tu l'as eu. Ok, risqué. Je suis parti en couille, mais ça passe. Ça passe. Sacré duel, Omnibus. Les habitants de la Lune te seront à jamais reconnaissants. Merci, capitaine. Merci, Maël Maldonado. Qui a fait un don de 2 euros. Et du coup, j'ai pas accès au prochain niveau tant que j'ai pas fini ce putain de niveau de fou, quoi. Ah oui, c'est écrit quand tu auras déposer assez d'invités, tu devras encore atterrir sur tes roues. Fais chier. Je l'aime pas à ce niveau. Non, je suis obligé de le faire pour continuer à jouer. Au moins, ce qui est bien, c'est que je peux me dire je fais un peu ce que je veux dans le carré vert, puisque le jeu me remettra toujours droit finalement.
J'ai déposé personne? Mais pourquoi ils me disent que j'ai déposé personne là? Je comprends pas. J'étais bien au-dessus, j'ai bien perdu beaucoup de personnes. Alors pourquoi je dépose personne? Et là je dépose que 5 personnes. Oh 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 oh, oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà. J'aimerais bien avoir le... trop risqué. J'aimerais bien avoir le pouvoir de gravité. Oh putain, fais chier. J'ai déposé une seule personne, je ne crois pas. Il y a un coup je t'en dépose une, il y a un coup je t'en dépose 20. Je sais pas en fait trop comment ça marche. Allez tombe. Allez vas-y, fais tomber des gens. 21. Pas ouf hein. Pas une seule personne est tombée. Tu crois que je devrais jouer avec ces bumpers là qui peuvent me pousser? Si je fonce droit là dedans dans un bumper comme ça, bien droit dans l'axe de retombée dans le carré vert. Tu crois qu'il va se passer un truc? Non, le truc c'est que je suis un peu loin en fait du carré vert, je crois. Il me fait rire le bus. Ah, et si je tournais comme ça? Non, c'est pas ce que je vais faire. D'abord je saute. Et là je tourne comme ça. Est-ce que ça me donne plus de personnes? Non. 10. Non, et une fois j'ai réussi à faire 20. Non! Regardez, j'arrive à 40! Je pense que le premier coup est le plus important. Waouh, 23 du premier coup. Waouh, c'est incroyable ça. C'est mon meilleur score. C'est mon meilleur record même. Remets-toi droit, s'il te plaît. Stabilise-toi. Oui. Oui. Ok. 27 personnes, c'est cool. Prends les lumières. Or, fais la même. Sauf que t'as trop de vitesse en fait. Ah, plus je passe, plus tu prends la vitesse et moins c'est facile. Regardez comme je vais vite là. 66 km/h. 67. Et du coup, j'ai pas le temps de faire un seul tour là-dedans. Ah putain, on est à 35. Non. Allez, remets-toi droit, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Non. J'étais obligé de tourner sinon je prenais la vitre. S'il te plaît, remets... Non. Il manquait 5 personnes. C'est un pire jeu. Pire niveau, tu vois. Là, je suis qu'à 40 km/h. Allez, remets-toi droit, remets-toi droit. Oui, c'est bien ça. En fait, il faut que je me dépêche avant que ma vitesse augmente trop. Ok, coup de chance, mais j'ai pas mis beaucoup de personnes. Droit, 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 31. Encore une fois, 31, je suis pas loin. Je me suis bloqué de suite. Et si je pars sur là, pour avoir un axe un peu plus grand de diagonale. Bloque sur le côté tout le temps. Ah, bonjour, l'écho Arim K-pop culture, c'est un très très grand pseudo de chaîne YouTube ça. Et merci beaucoup à Quadrop de l'Angleterre, t'avais déjà fait un don tout à l'heure je crois. Je t'envoie un mail pro, ça pourrait t'intéresser. Ok, je regarderai ça à la fin de mon live. Y a pas plus rageant que le moment où il se met à l'envers en fait. Enfin, qu'il se met sur le côté que tu peux plus bouger. Je le sens arriver quand il se bloque. Bah, croyez-moi, dans ce niveau, j'irai pas chercher le chapeau. Pire niveau de tout Omnibus que j'ai fait jusqu'à ce jour. Oh, oh. Oui, pourquoi pas. C'est pas ce que je voulais faire. Enfin, je pense pas qu'il y avait le bumper là. Allez, remets-toi droit. Tu peux le faire. Non. J'en ai marre. Droit, t'as balancé la moitié. Pourquoi?
Pourquoi tout à coup tu t'énerves? Waouh, je me suis dit... Ah putain, parce que je roule sur les mecs. Est-ce que c'est possible d'être bloqué comme ça? Non. Être bloqué sur l'avant, je pense pas que ça marche. Oui. Non! Putain! C'est pire que le combat contre Sans. Oh, je te jure, je pète. Je pète un câble. Allez, tombez, tombez tous là, vous lâchez tous. N'hésitez pas, c'est le seul moment. Attends, c'est peut-être l'occasion pour se remettre droit en toute tranquillité. Oui, ah oui. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Vas-y. Papa, lâche, lâche. Non, 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 te bloque pas. Oh mon dieu! Quoi? À quel moment? À quel moment? Mais c'est trop cool! Vive la mariée, la cérémonie va pouvoir commencer, bravo Omnibus, mais merci, je sais pas comment j'ai fait. 57 sur 40 gens. Waouh! Trop bien! Je suis mort. Allez, mais du coup, on peut partir dans le nouveau niveau qui est le Far West. Merci pour vos GG. Le Far West. Oh, j'ai un message. Oula, merde. Alors, on commence par... choisis un chapeau. Ben, je ne possède que celui-là, du coup. Livraison express, cul sec. Omnibus, les saloons n'ont plus grand-chose en stock. Fonce dans les tonneaux de boissons, puis dirige-toi vers un saloon. Mais attention aux tonneaux, au TNT. J'ai 5 saloons à abreuver en boissons. Donc ça, c'est un saloon. Mais oui, mais non, mais d'abord, je dois récupérer les boissons. Là, j'ai une boisson sur moi. Ah, et il y avait un tonneau TNT, ok. Ah, d'accord, ok. Alors, d'abord... D'accord, là, il y a des tonneaux à droite, j'ai vu. Est-ce que je peux rouler à fond à droite, tranquille? Oui. Ah, merde, c'est des TNT. Ah, mais il faut lire à l'avance ce qui est écrit, d'accord. Ok, je l'ai. Voilà, par exemple, là, il y avait un TNT, on va pas toucher. Tout au fond là-bas. Ah, j'ai une dose de liquide en bas, j'avais pas vu. Il y a écrit drink et teinté, mais c'est tout petit. On voit pas du tout. Donc là, tu as dit. Ah ouais, la boisson elle est en plein milieu. Là, drink et à côté teinté. C'est dur. Là, il y a un drink qui est tout seul. Mais je crois qu'il est au bord de la falaise. Ah, évidemment. Ok. Ok, je suis plein. Là, il faudra se souvenir qu'ici, il y a un drink entre 3 TNT. Là, il y a un drink à droite. Donc celui-là, je te le remplis. Voilà, j'ai fait un saloon sur 5. Voilà, maintenant, il faut se grouiller pour aller chercher un autre saloon avant que ma barre de liquide, du coup, en bas, se vide. Voilà, ça en fait 2. Du liquide, s'il vous plaît. En plus, plus le temps passe, plus je prends de la vitesse et moins j'aurai le temps de calculer, de voir si en face de moi, c'est un TNT ou un liquide. Ah, les liquides sont un peu plus clairs à ce que je vois. Oui, j'ai le temps d'y aller tranquille. Là, il y en avait un à droite. Ouh, à chaque fois que j'en prends un, ça va de plus en plus vite. Là. Un drink. Un saloon. Ouf. Non. Là il est très proche. Yes. Ah je l'ai pas eu. Merde. Ok. Ok, le saloon est là. Je vais tâcher de rester pas trop loin. Il y a que celui-là que je peux avoir facilement, j'ai l'impression. Je suis à 99 km/h. Waouh. Ok. Oh, mais je peux avoir simplement celui-là. D'où le saloon? Il est là-bas.
Eh, il suffisait de se focus, se concentrer, et ça passe. Oui, il y aura une rediffusion sur la chaîne secondaire Farod Live, j'ai l'impression de l'avoir dit 10 milliards de fois dans ma vie. Le lien est dans la description. De toute façon, quelle que soit ta question, la réponse est dans la description. J'ai débloqué le Bustodo, ben, je suis très content, c'est chouette, jouons avec une vache. Merci pour les GG. Pète le cow-boy. Salut Omnibus, papy veut qu'on transfère les vaches dans le nouvel enclos. Tu peux nous filer un coup de main? Au moins 5 vaches dans la journée pour que papy s'énerve pas trop. Ah oh, trop bien. J'imagine que je dois toucher rien. J'ai 22 vaches. Voilà, je touche. Ah ouais. Oh, il me reste plus que 8 vaches déjà, ça va trop vite. L'enclos est là-bas? Ça devrait le faire, non? Sauf que... Il y a des barrières partout. Non, il y a une ouverture là-bas. Il y a des bumpers. On va les éviter. Hop, hop, hop. On passe à... Eh, hey, une vache est tombée dans le vide, c'est terrible. Oh, ça va. Oh, franchement, ça va. Ouais, non, ça va, ok. C'était pas... Quitte à en perdre plein, tant que j'en garde 5, ça va très bien. Pas une égratignure, on te revaudra ça, Omnibus. Merci. Tu sais, comment on fait pour passer à des niveaux ultra durs, comme celui des cosmonautes, là, qu'il fallait balancer, à des niveaux aussi simples que celui-là? Je comprends pas. Le niveau de difficulté, je le comprends pas. Omnibus, j'ai oublié un piège à ours sur la Mesa là-bas. Je ne connais pas ce mot de vocabulaire, Mesa. Tu peux aller le désamorcer pour que personne ne se fasse mal avec, mais sois prudent. Le sentier jusqu'à mon coin de chasse est dangereux. J'ai pas compris. Merde, je peux sauter? On part sur un petit jeu de plateforme, les gars? Ok, bah pourquoi pas. Juste garder l'axe droit. Ok. D'accord. Je sais, qu'est-ce que c'est là, me ça? On me l'a pas dit. Oula, 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 le... Et le pontang. Ça passe, ça passe, ça passe. TNT, un champ de TNT. Oh, mais quelle bande de cons. Oh, Mesa, c'est une plaine de sable. Mesa, c'est une table en espagnol. Eh ben, je... je vais m'en sortir avec ça, ok. Est-ce que le pont, je suis censé le prendre de manière très droite, pile au milieu, pour être sûr qu'il ne tangue absolument jamais? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, ça va pas. J'ai voulu passer en slalom et puis ça va pas du tout. Mais ça, c'est une table. D'accord. Non! J'étais en train de me moucher. Vous n'avez pas le droit de me faire des choses pareilles. Il faut bien que je regarde les TNT pour voir s'il n'y a pas un petit passage sur la droite ou sur la gauche pour que je puisse les éviter. Ah merde, j'avais pas vu que mon t-shirt il était fond vert aussi. J'avais pas capté. Faudrait que tu te remettes droit. Pour ceux qui voulaient savoir, les prochains lives, il y aura un live sur Friendzone 4. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Il y aura un live sur des ROM hacks de Mario 64. Et il y aura un autre live sur un jeu que je vais bientôt faire en vidéo. Et que du coup, à la fin, je dis, si vous voulez, on le fait en live. Et du coup, il y aura un live sur ça. Alors je regarde bien, c'est quoi, je vais prendre un max d'élan. J'en ai trop marre de ce jeu. Merci Sacha, merci Léon. Mais ça, c'est un petit plateau, une grande butte à sommet plat. D'accord. Ouais, je visualise un peu quel sera le contexte, en fait. Ah là, là, je vois un espèce de petit chemin. Là. Il faut juste que j'évite ce premier tonneau. Je ne l'éviterai pas. Ah, je crie, je m'énerve.
C'est bon, je m'accroche. Le truc, c'est que c'est super long avant d'atteindre les TNT et tu meurs d'un coup, c'est chiant. Ça va. Ça va. S'il vous plaît, ne vous réjouissez pas de ma rage. S'il vous plaît. C'est pas très gentil. Ah, je l'ai senti qu'il passerait pas celui-là. C'est bon, il commence à rager. Hey ! C'est pas gentil. Tu peux sauter par-dessus les TNT. Et comment tu fais ça ? Si je le prends pas dès le milieu, en fait, le pont, il me casse la gueule direct. J'ai l'impression, hein, tout de même, qu'au milieu du chemin, juste derrière le panneau TNT, c'est possible d'y aller. Ouf. Ok, 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 ok. Ah d'accord, oui, ok. Juste éviter les TNT. Waouh! Eh ben putain! Merci Omnibus! Je vais pouvoir dormir et respirer tranquille en sachant que personne ne se fera de mal avec mon piège à ours. Mais toi aussi, espèce de gros con là, tu peux pas aller chercher toi-même. Et pourquoi je tombe à l'infini dans le sol? C'était bizarre ça. Gold! Eh ben j'espère bien avoir un trophée gold pour ce niveau trop chiant. Bus vache, va, que j'ai reçu, c'est cool. Alors, continuons. L'attaque du grand. Du train frontal. Waouh. Hey, Omnibus, c'est bien de t'avoir avec nous sur ce coup. On a une toute petite fenêtre d'action pour attaquer le train. Attrape 16 pièces d'or avant qu'il ne passe la dernière Nossa. Puis on disparaîtra, ni vu ni connu. 16 pièces d'or, tu le... Ah, d'accord. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, quoi? Ah, mais j'ai toujours le pouvoir de sauter, non? Je me suis trompé de bouton, c'est pas grave. Je crois avoir compris. Oui, j'ai le pouvoir de sauter, je viens de le voir là en bas. Et je n'attrape pas les pièces. Ouh. Ouh là là. Et alors je passe par où moi? Ah, il y a un jumper. Est-ce que je peux rouler sur ça? Non, je crois pas. Ok, 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 il va être dur ce niveau. Il a pile 16 pièces ce bus ou pas lui? Oh, je peux rouler du coup sur le train, c'est intéressant. Et ah, il y a des pièces qui s'envolent. Oh waouh, le bordel que ça va être. Ah, d'accord, en fait quand je casse les conteneurs, les pièces tombent. Waouh, toutes les pièces qu'il y avait, ça aurait été trop beau de toutes les avoir. J'ai chopé 2 pièces les gars, je suis trop fort. En fait. Briser. Oh, et si je brise tout un wagon carrément? Qu'est-ce qui se passe? Wow. Qu'est-ce qui se passe? Rien? Ok, moi, vous savez quoi? En attendant, j'ai esquivé les pieds. Waouh, concentre-toi. Voilà, il y avait un TNT derrière, j'y fais gaffe. Est-ce que. J'ai pas de temps. J'ai le temps de revenir chercher les pièces plus tard, non? Exemple, si le train s'en va et qu'il y a toujours les pièces au sol, je peux le faire, ça, non? Y a pas d'autres pièces ailleurs. Le train s'en va. Alors ce qui est sûr c'est qu'il a pas lâché assez pour avoir 16 pièces. Est-ce que je peux rouler sur les rails? Oui. Non, non. Ah non. Ah merde. Et alors d'accord. Allez, allez, s'il te plaît. Roule. Roule dessus. Roule dessus. Ah, c'est une bonne technique, ça. Ah, c'est une bonne technique, ça. En fait, il faut que j'aille... En fait, c'est ça qu'il va falloir faire. Aller à l'avant du train, me confronter à lui de face, et faire en sorte qu'il déraille. Qu'il déraille à fond, à fond, à fond. Et ensuite, je vais pouvoir récupérer toutes les pièces une par une.
gros bordel. On va tenter de faire ça. Je prends un peu plus d'accélération. J'espère aller plus vite que lui. Je vais me positionner devant les rails. Je perds de la vitesse là. Ou alors je tente d'aller encore un petit peu plus loin. Et je vais l'attendre là-bas. Ça passe. Ok. Pauvre train. Ok. Là, je vais me retourner. Espérons qu'il ait eu le temps de venir. Non, il a pas eu le temps de venir encore. Je crois pas que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Allez, dépêche-toi. Il est toujours pas dans la... il a toujours pas passé le trou. Il y a le chapeau. Ouais, j'ai vu le chapeau, mais j'irai pas le chercher. Là, il arrive. Je vais laisser encore le temps d'arriver un peu plus proche de moi pour pas tomber directement dans le trou. Encore un petit tour pour être sûr. Et là, on se met dans l'axe. On se met bien droit face à lui. Ça va être nul. Ça va être nul. Ça va être nul. Oh, que c'est nul. Oh, que c'est mauvais. Oh, que c'est mauvais. C'est une terrible erreur ce que j'ai fait. Je peux encore tenter de me remettre face à lui, de sauter juste. Oh là là. C'est pas bien. C'est tellement pas ce qu'il fallait faire. En fait, faut juste y aller comme ça. En mode bas les couilles. Et on casse tout. Il faut juste les pousser. C'est ça. Il faut juste les pousser en fait et les faire tous tomber. Non. Ok. Ok, je comprends l'idée. Il faut juste faire ça. Là, tu pousses. Là, tu... Oh, oula, oula, oula. Les TNT, on va tâcher de les éviter. Oh, mais c'est tout con en fait. Ça va. J'espère qu'il n'y avait pas des élèves de Poudlard à l'intérieur de ce train. Voilà, tu passes là comme ça. Tranquille. Et tu fais tout tomber. Un par un. Ah oui, non mais il y a des trous, il y a des trous. Je peux pas aller à l'infini, d'accord. Il faut que je prenne le temps aussi de repartir, prendre le bumper, sauter, tout ça. Voilà. Celui-là aussi. Et le dernier. Voilà. Attends. Ne te mets pas sur le côté, s'il te plaît. Merci. Tu vas chercher le jumper. Est-ce qu'il fallait aussi l'accélérateur pour passer? La réponse est non. Voilà, ça dégage. Et du coup... Oh, j'ai encore le temps. Ah, ça c'est pas bien par contre. Cette perte de temps. Ça passe. Là, j'ai un... Et je peux pas revenir en arrière, moi, après, pour aller chercher des pièces, quel con. Je viens d'y penser à l'instant, là. Toutes les pièces que j'ai lâchées dans les niveaux précédents, je vais les chercher comment, moi? Et je vais pas les chercher. À moins de me faire péter avec... Alors ça c'est beau ça, ça c'est beau ça, oh oui ça c'est beau. À moins de me faire péter avec un tonneau TNT, et l'explosion m'amène très loin. Faut que j'aille chercher ces dernières pièces avant qu'elles partent. Oh, il y a un petit jumper là. Ouais, ok. J'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. C'est compliqué. Oh, qu'il est dur ce niveau, mon dieu, putain, j'en pète. Ok. Faut que je récupère les pièces tant que je peux en fait. Voilà, là je m'arrête là. J'ai fait tomber tout ça. Je vais me concentrer seulement sur les pièces qui viennent de tomber. Je les récupère et il va falloir vite que je sois assez rapide pour aller chercher la suite du train. Hop là, on a 5 pièces. Pourquoi pas. Allez, 3 pièces. Ouais, c'est tendu. Tiens, allez, fais tomber ces 3 pièces là par exemple. Tu vois, on tombe comme ça. Elles sont où les 3 pièces? Il y en a une ici. Il y en a deux là. Je prends les deux ou pas? J'en ai pris aucune. Ok. Je vais chercher l'accélérateur. Je suis à la moitié de mes pièces du coup. Je rattrape un peu mais pas beaucoup. Là il y en a 4. Il m'en faut 8 encore. 4. 2. En fait ce qui serait intéressant c'est ce gros morceau là qu'il y a à l'avant du train. Je vais essayer de le récupérer direct. Ça. Ok, j'ai évité les tonneaux. Quelle chance. J'ai pas évité les tonneaux, mais c'est pas grave. Je crois en l'âme des bus qui va me remettre sur mes pattes. Tout va bien se passer. Oui, oui, c'est un oui. C'est un oui. Oh, monsieur! Oh non! C'est pas cool!
chiant. J'ai envie de m'attaquer directement à la tête du train. On gagnera beaucoup de pièces beaucoup plus rapidement. Tu peux pas rester droit. Allez, mets-toi droit. Allez, me fais pas perdre mon temps. Il est con ce jeu. Il est trop con. Je tente. Allez, juste remets-toi droit. Tu l'as toujours fait toute ta vie. Voilà. Non, Omnibus, non. Non. Oui. Évite juste les tonneaux. Ouais, c'est bien ça. C'est bien, non? Oula. Attention. Prends un peu de recul, hein. Mais pas trop non plus, hein. Là, celui-là aussi tu le fais tomber. En fait, faut que je les fasse tous tomber ici, quoi. S'il te plaît, remets-toi droit, s'il te plaît. Non ! Non ! Il n'y a qu'une espèce de con pour se tomber sur le dos alors qu'on a fait tomber toutes les pièces. Ça sent la rage. Ah bon ? Et si j'essaie de tomber directement sur les pièces ? Oh oui ! Le wagon m'a bloqué l'explosion du tonneau. Ok, il se passe un truc cool. Oula, toi. Non. Non. Les barrières, arrêtez-moi les barrières, vous êtes là pour ça. Oui vous... Oh, putain, quel bon rôle vous avez joué. Oh, ça serait trop beau. Ah. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il m'en manque une. Oh mon dieu, j'ai tellement gagné. Merci beaucoup Roberto pour ton don de 99 centimes québécois, c'est très gentil. Youpi Omnibus, j'avais jamais vu autant d'argent à la fois. J'aurais de quoi acheter un ranch sur la lune avec tout ça. Il s'est passé un truc de fou à la fin, ça n'a pas de sens, j'ai eu trop de chance. J'ai roulé sur le train en fait. J'étais là, je faisais des tonneaux sur le train et vu que le train avançait, je faisais glou glou glou, je mangeais les pièces une par une. Et là, t'as un blue screen. Oh merde, putain! Waouh! Ça fait plaisir. Omnibus! Les 9 négationnaires, la pire bande de tout l'Ouest, arrivent. Il faut que tu défendes la ville. Retourne-les. Ou fais-les tomber de la Mesa. Cherche les bumpers en or. Les bumpers en or, ils t'aideront. Quoi? Je me transforme en train bumper. C'est trop cool. Est-ce que je vais en avoir encore plus? Non, toujours les mêmes. Toi, t'es un méchant, toi. Paf. Il suffit pas juste de les éjecter. Il faut les faire tomber du rebord, en fait. Voilà, meurs. Lui, je pense qu'avec l'élan qu'il a, il va mourir. Ah, et je perds. En fait, quand j'en fais tomber un, je perds les bumpers, c'est ça? Et pourquoi moi je rebondis comme ça? Et pourquoi la plateforme ne me refait pas revenir vite fait sur le terrain? Ça aurait été cool ça. J'ai pas compris. Pourtant, en fait, quand j'avais de la vitesse... Non, j'ai pas compris. Pourquoi j'ai été éjecté moi aussi? Et où est-il? Là. Casse-toi. Ça en fait un de moins. Et là, les bumpers s'en vont. Peut-être qu'il m'a touché au moment où j'ai perdu mes bumpers. Toi aussi, casse-toi. Faut que je fasse gaffe à mes bumpers. Dommage, j'ai pas une jauge. Et là, ça m'a touché. Il aurait pu se remettre droit. Est-ce que j'ai des endroits sensibles sur mon véhicule qui fait que lorsqu'il le touche à cet endroit, ça me tue? Tellement dommage que je puisse pas freiner dans ce jeu.
Ah, il est tombé tout seul, ok. J'ai presque plus de bumper. Je possède le pouvoir du bumper. Toi, prends-moi de côté, oust. Ah non, je l'ai fait sauter au-dessus de moi. Oust. C'est rigolo. Je récupère ça. Je retourne à la guerre. Oust. Allez, va-t'en. Toi aussi, va-t'en. Hey, il m'en reste plus que 5. Ça va plutôt vite. Ah, il est sur le... Il est bloqué, lui, non? Quand il est bloqué, il est mort. Il m'en reste plus qu'un. Oh, tu te remets droit, petit. Ouais, petit, c'est bien. Il ne m'en reste plus qu'un. Où il est? Oh, il est derrière moi. Il me suit, le petit coquin. Il me suit. Mais il est fou. Je prends mon accélérateur. T'inquiète pas. Boum. Alors là, s'il est pas éjecté, je sais pas ce qu'il lui faut. J'ai peur d'aller chercher. Non. Comment j'ai fait pour tuer 9 ennemis en un coup, moi? Mais quel dommage, c'est terrible. Par contre, jouer avec les accélérateurs, ça change la donne. C'est tellement plus rapide. Cassez-vous, bande de cons. Ouf. Et là, il m'a... Mais je ne comprends pas pourquoi il m'éjecte. C'est quoi? Je vais prendre cet accélérateur-là. Je l'ai trop appris, en fait. C'est pour mieux le reprendre. Haha. Où sont les méchants? Les méchants sont là. Ou que vous êtes vilains. Toi, tu... De plein fouet, en fait. Et pourtant, on voit bien que à l'avant de mon véhicule, j'ai un bumper. Pas d'explication. Et pourtant, là, ça passe. Et là aussi. Je m'explique pas. Où êtes-vous, les méchants? Vous êtes tous là-bas. Peut-être parce que je fais des tournis, en fait. Oh, j'ai tellement de vitesse, c'est fou. C'est fou. Quand ils arrivent de frontal, c'est la réflexion que je me fais. Et pourtant, regarde, je suis bien droit face à lui. Bah, les reins. C'est peut-être lié à la vitesse. De vitesse de frontal et paf, je meurs. Tiens, paf, sur le côté. Mais c'est fou, ça. Il faut peut-être pas prendre de vitesse, en fait. J'adore les éjecter. Là-bas, il y a un bumper doré. Dégage. Vous dégagez. Ouais. Ok, je l'ai. C'est quand tu prends de la vitesse que le jeu supporte plus ce qui se passe. Oh, cool. Je suis retombé. Et tu dégages. Il reste encore 5 bandits. Ok, ben il y a juste à pas prendre de vitesse et c'est bon. Tiens, toi, sur le côté. Paf. Sauf que je les envoie juste en l'air, finalement. C'est pas assez, on va dire. Il avait un doré là, non? Voilà, il dégage. Il y en a un qui est tombé, ok, ça fait 4. Ça fait 3. Je reprends le bumper dans le doute, ça fait 2, ok. Toi, je vais m'occuper de toi. Ok, lui il va bien tomber normalement. Il en reste plus que un quelque part. Est-ce qu'il me suit? Oh, il me suit. Et lui, du coup, il m'oblige à accélérer. Pour que je puisse le prendre de vitesse. Ouais, en fait ça va se jouer. Ah, tu vas trop vite. Ah, putain. En fait c'est un duel. C'est un coup de bol. Soit c'est lui qui tombe en premier, soit c'est moi. Ah, il est chiant ce dernier. Oh, quel con, j'ai appuyé sur un bouton de la manette, pardon. Oups. Où il est? Je leur donne des coups comme ça, paf. Elles me suivent. En fait, faudrait que je... Il me faut un bumper, je reste à côté de la falaise et je fais des petits tours autour de moi. Et vu qu'ils me suivent, ils vont sûrement me perdre de cette façon. Pardon aussi. Et il y en a encore beaucoup, hein. Et non, t'as vu, j'étais pas à pleine vitesse et il m'a...
m'a fait mal. Attention, 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 attention. Ah, ok. Allez, il me faut un bumper doré maintenant, là-bas. Il en reste deux. Je stresse. Alors, il est où? Là. J'espère que ça suffira. Je récupère un autre bumper. Je vois son ombre. Ah, attends. C'est le dernier du coup, lui. Oui, bah oui, tu tombes avant moi, petit. Tu tombes avant moi, regarde, je rebondis. Yes! Wow! C'était ça, c'était un défi, un duel, le premier qui tombe. Trop tendu, trop tendu. Merci beaucoup, Galaxy, j'adore tes vidéos, parents, t'es le meilleur. C'est gentil. Tu leur as montré qui tu étais, les 9 négationnaires, ils réfléchiront à deux fois avant de revenir dans les parages. Merci, Omnibus, merci beaucoup. Merci pour les GG dans le chat, c'est gentil. Alors, partons sur le pont dangereux. Omnibus, d'après la légende, il y aurait un fabuleux trésor dans cette caverne. J'ai le hockey, c'est pas grave. Si tu le trouves, on partage équitablement 80-20. Attention au pont, il est très vieux. Oh non, est-ce que c'est encore un pont qui bouge comme j'aime pas? Oh, on dirait une course de Mario Kart 64 là, chez les bouts. Le pont est très vieux. C'est... Oh, c'est exactement ce que j'imaginais. Je sens que je vais pas du tout aimer. Il va falloir que je passe au milieu. Il va falloir que je passe au milieu pour rétablir le pont. Ouais. Ok. Je reste un peu sur la gauche pour rétablir encore un peu le pont, tout droit. Il faut que je me remette sur la gauche encore un peu. Je reste au max à gauche. Au max à gauche. Au max à gauche, et je touche ça. Mission réussie! Mais c'était facile! Le trésor existait vraiment alors? On avait dit quoi? 20% pour toi? Ah non, non, 10, c'est réglo, voilà ta part. On dirait un network de youtubeurs, putain, quelle bande d'escrocs, j'y crois pas. Ah oui, il était aussi sur Mario Kart DS, je crois. Bola Gog! Quel honneur, merci beaucoup, c'est cool! Tu es devenu sponsor de la chaîne, merci, c'est gentil. Ça me fait 5€ par mois dans la poche. Non, c'est fou en plus. 3€ par mois dans la poche, merci beaucoup. Totem est à bout, mets-lui une raclée. Allez, c'est parti pour un petit... Tu apparais juste là, à droite. Un petit boss. Omnibus, tu n'appartiens pas à notre époque. Je dois te détruire afin de t'empêcher de modifier l'avenir. Oh, j'ai le pouvoir de sauter. Oh ouais, trop bien. Alors, les flammes bleues, j'imagine que c'est pas très très gentil. Ouais. Ok. Ah non, d'accord, je croyais ça one shot les flammes bleues, mais non, ça ne fait que pousser. Oh, il me cible tellement. Oh, oh. Presque, eh oui, bah, je vois ça. Mais il se déplace lui-même sur le sol ou quoi? J'ai cette... Oh, oula, merde. Allez, sauter et se prendre les flammes bleues, non, c'est mort. Je tâchais de réfléchir un peu là, attention. Hop, je saute. Je saute. Hop, allez, vas-y. Je n'aurais pas réussi à te toucher une seule fois, mais c'est un truc de fou. Waouh. C'est dur. Oh, que c'est dur. On va plutôt partir sur la droite, du coup. Mais par contre, on va falloir sauter plus souvent. Le rythme de passage des trucs bleus est plus fréquent. Non, c'est pas bon. Oh, quoique. Partons sur la gauche, c'est ce qu'il y a de plus simple. T'es pas très bon MDR, eh ben Bruno, j'aimerais bien t'y voir, tiens. Allez, télécharge le jeu et va jouer. Ok, on saute. Il y a juste ce dernier moment où... ça arrive. Non! En fait, il y a juste ce moment où plus je me rapproche et c'est tout faible, en fait, l'espace où il va falloir que je saute et éviter les flammes bleues. Et en plus, j'imagine qu'il faut le faire 4 fois, puisqu'il y a 4 totems. En fait, les flammes les plus chiantes, c'est les flammes où ils me tirent en me visant. Elles sont compliquées, celles-là. J'oublie de sauter le premier à chaque fois. La musique est cool, hein?
Ouais, c'est ça, il faut le faire 4 fois. Oh non, il a différents types de flammes maintenant. Eh, mais c'est Bowser le mec, c'est fou ça. Pas facile du tout. Bon, ok. Il va falloir que j'apprenne son pattern par cœur. Hein. Ouais, j'ai préféré me prendre celle-là plutôt que prendre les autres de face. Oh oui, non, quel dommage. Je passe entre eux. Oui. Non. À la seconde. C'est pas impossible, hein. Ah si, là par contre c'est chaud. Juste retombe droit, évite juste le sol, s'il te plaît. Disparaissez les flammes. Non, il s'est bloqué, mec, à l'espèce de grand enculé. Mais quoi? Chier. Bon, en fait, il y a que ce premier niveau là qui est un petit peu difficile. J'y arrive plus. En fait, voilà, il faudrait que je fasse toujours un petit saut juste avant pour éviter les dernières flammes qu'il pourra envoyer. Ça, c'est chaud, ça. Des flammes au hasard. Elles peuvent atterrir sous mes pieds quand je saute. Oh oui, bien. Oh oui, bien. Bien. Non. Putain. Ah, c'est pas grave. Pas intéressant. Ouais, ce qui m'oblige à faire, c'est de rouler sur le côté, et ça, c'est compliqué. Je m'en sortirai pas. Non, c'est mort. Merci beaucoup, Tesiox, qui est aussi devenu sub, comme la personne juste avant lui. Bah, du coup, même message pour toi. Merci beaucoup, c'est gentil, et viens voir la description du live. Et merci, Galaxy, pour ton dollar canadien. Allez, il faut que ça me motive tout ça. Il faut que l'argent des abonnés me motive et me donne envie de battre ce boss. Il est pas si dur que ça en plus. Hein. Il est vraiment faisable à battre. Hein. Je crains un peu la dernière partie. Sa dernière transformation, je sais pas trop. Je me suis. Oh putain, chemin tout droit. Cool. Non. Qu'est-ce que tu me fais? Mais non. Comment je peux me retrouver à l'envers juste parce que j'ai eu un impact contre le boss, alors que le jeu me demande de taper le boss, c'est dégueulasse. Je suis un rageux. Quand je trouve qu'un jeu est injuste, je suis un putain de rageux. Voilà, je tape le boss. Ça n'aurait aucun sens de me faire tomber sur le côté. C'est du aléatoire, je pense, les flammes. Tu vois, j'essaie de le prendre sur le côté, là. Qu'est-ce qu'il faut? Que je le prenne de face? C'est bon, je commence à maîtriser le pattern de ouf. Et là, j'étais pas tant de face que ça, hein. Il est devenu beaucoup plus facile ce deuxième niveau là, je trouve. Après, je pourrais aussi. Je pourrais ne pas sauter. Je suis obligé de sauter parce qu'il envoie une dernière vague de flammes juste à la fin. Ah putain, mais ouais, c'est vrai. Il y a juste à passer. Ah merde. C'est pas grave, je suis toujours dans l'axe. Je suis dans un très bon axe même. Non, quand je saute, ne bouge pas. Ok, je le touche. Bien, dernier niveau. Alors, qu'est-ce que tu me prépares? Vas-y. Sans déconner. Non. Mais non. Waouh. Le dernier boss est ultra bâtard. Non mais c'est un truc de fou là, la méga vague. Si je sautais, j'étais déstabilisé, je partais dans tous les sens. Donc je suis obligé de me la manger. Mais pas très gentil. En fait, il lance des bombes. Et les bombes, faut aussi les éviter. Là, j'essaie de passer au milieu. Parce qu'en fait, conduire et tourner en même temps, c'est pas le meilleur des choix à faire. Oh non. Non, s'il te plaît, remets-toi droit, je t'en prie. Droit, là. Oui, ça c'est bien ça. Tu reprends ton axe.
Tu ressautes, s'il te plaît. Son intervalle de crachage de fumée bleue est beaucoup trop court. J'ai pas le temps de réatterrir que... Il a déjà balancé le sien. Ou alors, il faut que je saute beaucoup plus tôt. Genre... là. Saute. Voilà. Bien. Tu le laisses pas faire. Ah mais oui, non mais il y a ça. J'avais oublié ça. Il envoie des tonneaux et des bombes. Allez, allez, dissipe-toi vite. Oh putain, il envoie des tonneaux. Mais le bâtard, non. Ok, tu l'as esquivé de justesse. Non. Promets-toi droit, s'il te plaît, je t'en prie. Non. C'est bien. Non, ça c'est pas bien, ça. Ça c'est pas bien du tout. Promets-toi droit. Oui. Non. Oui. Tu sautes. Ah, c'est bon. Wouh. Il va me tuer ce jeu, c'est fou. Merci Zachary Leclerc. Impossible, je ne peux pas être vaincu. Prépare-toi Omnibus car je te bannis de ce lieu. Blablabla, j'ai gagné, je m'en fous. Je suis donc classé, je m'en bats les couilles, j'ai quand même gagné. Ah, waouh. Il me tue ce jeu. Oh, que c'est étrange, monde numéro 5, c'est un monde bizarre. Oh mon doux foyer. C'est la fin du jeu, je crois. Omnibus, ça faisait un bail. Si tu as un instant, tu pourrais peut-être m'aider à attraper des poulets. Des poulets. Un oiseau. Quoi? Mais c'était un fake, c'était une fausse ville. Qu'est-ce qui se passe? Allez, remets-toi droit, s'il te plaît. Remets-toi droit. Tu peux le faire, oui, tu vas le faire. Il y a une exit là-bas. Il y a plein d'exits différentes. Non, je le sentais arriver. Il y a plein de sorties différentes. Laquelle? Trop de choix, trop de possibilités. Je ne sais pas laquelle choisir. Tu vas te remettre droit, mon petit. Remets-toi droit. Le chauffeur. Tu es dépassé, Omnibus, de la vieille technologie qui doit disparaître. Prépare-toi pour ta retraite. Ok. Oh. C'est quoi ce monde? La mer de lave. Oh, ça va pas être facile, champ. Oh là là. Le monde des enfers. Mais tiens, est-ce que ça m'étonne, ça? Oh là. Le chauffeur. Le célébrissime Omnibus qui a surmonté les dangers du toit de football. Ça devrait être un jeu d'enfant pour toi. De faire quoi? Oh non, ils m'ont mis le double bus. Oh non. Il va y avoir plein de voitures qui vont arriver. D'accord. J'ai pas de temps précis à tenir. J'y a pas genre 60 secondes. Ben on va passer en dessous, tranquille, voilà. Ouais. Non. Il m'a pris de fouet. Non. Je suis perdu là, je comprends pas. Je comprends plus rien. Toi, passe là. Ce saut là, il me sert à rien le premier saut, on est d'accord. Eux, ils me suivent. On s'en fout, je passe en dessous tranquille. Ça va pas être facile. Putain, mais je me suis avoir une deuxième fois de la même façon que tout à l'heure, mais c'est fou. Mais fais un effort. Apprends le jeu, je sais pas. Venez là, hop. Ah oui, d'accord. Je crois que là c'est mort. Je crois que je suis bloqué à vie là, je pense. Tu crois que je peux me remettre droit? Ah oui, c'est étonnant, mais c'est possible. Donc toi, je regarde bien où tu passes. Tu passes là, ok. Ok, je passe au milieu là. Ouais, cool, ok. Oula, ouf. Mon cerveau n'arrive pas à calculer toutes les choses qui arrivent sur... Je l'ai vu arriver. Oh là, je suis en plein dans l'axe d'un bumper, c'est pas bon du tout ça. Oh. Il m'a remis droit. Et c'est pas fini. Ouais, c'est un peu mort là. Vas-y, prends ton temps. Hey, tu prends ton temps, tu redescends tranquillement, tu te mets à l'aise. Voilà, t'es bien. Oh, il y a le chapeau à côté. Tu le prends pas, tu t'en fous un peu. Oh putain. Ah, sa mère. Pas très très simple tout ça, dis-moi, Omnibus. Le monde de la lave, putain. Bon, les voitures, je vous attire vers la droite. Je vous mets un crochet, j'arrive sur la gauche. Le petit coup, c'est pas bien grave. On fait attention à lui qui dépasse. Mais quoi? Il est revenu. Tu ne peux pas tomber sur le côté, tu le sais. Tu n'en es pas capable. Oh non, oui, enfin à la limite, pourquoi pas. Je vais retomber, le temps que lui s'en aille. Bon, on a vu que je suis de gauche arrivé en premier. Oh, il m'a défrayé le chemin, c'est cool ça. Non.
Non! Non! Oui? Vas-y, continue par là. Continue par là. Il arrive tout droit, il arrive tout droit. Ok, ok. C'est bon! C'est bon! C'est bon! Exit! Waouh! Waouh! De justesse, Omnibus! Tu n'auras pas toujours cette chance! Waouh! C'est pas très très bien comme jeu, je trouve. Ok, on part dans une espèce de... dôme. Le maître de la gravité... Oh non! Non! Le maître de la gravité, c'est bien comme ça qu'on t'appelle. On va vérifier ça, essaye de t'échapper. Oh non! Non! Sachant que le pire niveau, s'ils doivent m'en remettre un, ça sera le niveau avec les petits bonhommes à l'intérieur que je dois faire jeter. Ça, c'était horrible. Ok, eh ben c'est parti! Allez, tourne! Voilà, tu tournes comme ça. Non. Alors, tu tournes comme ça, tu te mets comme ça, hop. Non, attends, non, il m'en faut deux fois. Deux petits coups vers le haut. Ah, mais c'est une surface plate, le sol. Je vais réessayer. Ouais, c'est pas facile ça, il faut le faire combien? 18 fois? Avec des bumpers après? Vous rendez compte que le premier niveau j'y arrive même pas? Ça c'est bien ça. J'y remets un petit coup, tranquille. Ouais, ouais, non ça passe, vous en faites pas. D'où je vais recommencer, t'es fou toi. Ouais. Non, 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 j'ai voulu trop l'anticiper. Quel idiot, quel idiot, quel nul. Ouais, d'accord, il lui faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance vers le haut. Quoi? Ah, il n'y a pas de gravité dehors, c'est pour ça qu'il y a des dômes. Pas facile. Ah, il faut que je me remette droit. Alors là, les gars, c'est pas très cool. J'étais dans l'axe. C'est bien ça, c'est bien. On va remettre un petit coup encore. Ouais, ah mais y'a le bumper. Waouh. Quel niveau de bâtard. Waouh, ça va être très très dur. Bonjour Weakness et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir sub à la chaîne, c'est gentil de ta part. Eh ouais, je l'ai senti, je me suis dit si je le remets pas, j'ai pas assez de puissance, et si j'en remets un petit coup, ben je passe à travers. Eh, ça se joue à un cheveu à chaque fois. Faut tout calculer, merci pour ceux qui me disent bon courage. J'espère que c'est pas trop un supplice de me regarder jouer. Oh, c'est bien ça. C'est moins bien, mais je me remets sur mes pattes. C'est bon. Ouais, ouais. Ouais. Non. Voilà, c'est compliqué parce qu'en plus, si j'ai pas l'axe tout droit, eh bien, je peux fracasser le mur directement. C'est pas très bien ça. C'est pas très bien. Oh là là. Salut Farod, petit don pour te soutenir. Tes vidéos sont toujours aussi plaisantes à regarder quand tu es comme ça. Eh ben, merci beaucoup, Niro. C'est très gentil, le message est très gentil, le petit don est très gentil aussi, hop. Oui, merde, pas assez. Oh, quoique, c'est bien. Tout droit. Un peu sur la droite, comme ça. Oh oui. Oh oui, oh oui, oui, vas-y, arrête-toi un peu. Oula, putain, merde, 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 merde. Non, putain, il y a des bumpers, j'ai pas du tout calculé. Qu'est-ce qui allait se passer dans ce niveau-là? Waouh. Mais oui, je sais qu'il faut appuyer sur la touche pour changer la gravité. Le mec, il va m'apprendre à jouer, je suis mort. Non, mais c'est ce que je fais de... Regarde, actuellement, là, j'appuie, tu vois, là, j'appuie pour me remettre sur le sol, là. Oh, quel dommage. Alors, je suis très surpris. Attends. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oh oui, c'était bien. Oh, regarde, j'ai même pas besoin de me déplacer ou quoi. Ouf, 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 attention, je vais essayer d'éviter de faire le chien. Ouf. Non.
Mon dieu, cool. J'ai oublié de prendre le jumper, non. J'allais dire, j'arrête pas de mourir, j'arrête pas de reset, j'arrête pas de un peu rager. Et étonnamment, il y a de plus en plus de personnes qui regardent le live. Je pensais pas que c'est ce genre de jeu qui allait faire que beaucoup de personnes regardent, surtout quand c'est répétitif en fait. Donc pourquoi restez-vous? Ceci est ma question. Est-ce que j'ai réussi ou pas? J'arrive pas. Merci Primo, je t'ai découvert sur France 2, sans déconner. C'est la vérité ce que tu dis là? Si c'est no fake, c'est un truc de ouf. Que France 2 ait réussi à me permettre de faire de la publicité pour ma chaîne YouTube. Ouais, tu... Non. Hop là, erreur. Oh. Pas dans le bon axe. Très bon axe. D'accord, ok. Je suis en train de lire un petit peu vos réponses dans le chat. Il y a des réponses qui sont gentilles. Ok, ça c'était bien ça. C'est marrant, quand je me retourne complètement, il m'enlève totalement toute la gravité que je possédais comme pouvoir. C'est dommage. Hein. On évite le bumper, on prend le jumper. Ah oui. Ah, j'ai voulu trop me la jouer. Dommage, tant pis pour moi. J'ai voulu le ramener au sol de peur qu'il aille trop haut et que je me mange les jumpers. Ok, ça va. Ouf, alors là, si je m'en sors... Ouais, non, c'était mort. C'était mort avant même que j'essaye quoi que ce soit. Il est dur, ce niveau. Mon dieu, qu'il est difficile. Mais il est pas impossible. Si cette fonction de tomber sur ses roues n'existait pas... Oh, mais ça serait tellement beaucoup plus simple. Oh, quelle erreur. Il faut vraiment un axe bien droit. Comme celui-là. Ne ressaute pas. Oui, bon, à la limite, ressaute de suite si tu veux. Ok, nous ne sommes jamais allés aussi loin. Non, j'ai confondu, non, je me suis mis... Si tu pars dans cette direction que tu appuies, ça va te propulser en l'air et pas te graviter. Oh non, j'ai confondu la gravitation et la propulsion, non. Ah, quel dommage, j'y étais. Ah oui, bon axe. Ah putain, mais non, il repart en arrière, cet abruti. En vrai, je peux y arriver, hein. Pas trop. Oh. Ouais, en plus, il faut avoir un bon petit axe, là. Ouais. Erreur classique. Vouloir retomber sur le sol quand on est encore qu'au bord du niveau. Erreur classique. Il me dit, essaye de partir en avant au lieu d'aller en arrière, au lieu d'aller sur les côtés. Tu crois que c'est possible? Mais je perds ma vitesse en fait si je fais ça. Je stagne. En fait, quand je pars en tournant, je garde la même vitesse, mais en le faisant sur moi-même dans l'axe, enfin cet axe-là, je perds de la vitesse. Non, je perds. Faut que je m'apprenne à mieux maîtriser
le bus quand il est en l'air avec mes propres roues et pas avec la gravité, en fait. Tu vois, là, par exemple, je vais le restabiliser de moi-même. Là, je pars juste tout droit. Ah, merde! Et pourtant, tout à l'heure, ça avait marché, juste tout droit. Là aussi, il faut que je m'amuse à le tourner. Voilà, il faudrait que je joue un peu plus comme ça. C'est bon, ok. En fait, ça peut le faire. C'est pas facile. La musique est chiante, putain, elle me saoule, si tu savais. Ouais, en fait, faut que j'apprenne à jouer comme ça. Attention, le bumper. Vas-y, réaccumule un petit peu de gravité. En fait, à chaque fois que je passe, c'est un coup de chance, c'est pas de la maîtrise. Voilà, et là, je me remets droit. Remets-toi droit. Ok, 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 on va emmagasiner un petit peu de... Hein. Là, la vitesse, ça suffit. Remets-toi au sol, remets-toi au sol. Petit, 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 petit. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Oui, 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 oui. Oh, oui, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Non, mal joué. Ah, quel con, quel con, quel con. L'espace est très petit. L'espace est très petit avec un très gros jumper au milieu, en fait. Ça, c'était incroyable ce que je viens de faire. Je suis allé trop loin. T'attrapes pas le chapeau? Oh, bah attends, j'ai déjà essayé de finir le niveau une fois pour voir ce que ça donne. Le chapeau, on verra une autre fois, non? Ça passe. Oh, c'est bien ça. Passer de vitesse. On s'est déjà fait avoir une fois. Restabilise-toi, s'il te plaît. Ah, putain, il a... Dès le moment où tu perds tes flèches, t'as compris que t'es bloqué, en fait. Merci, Mathias Dos Santos. Oh oui, que c'est beau! Recharge-toi, recharge-toi, recharge-toi encore! Tu es rechargé à bloc juste à temps, c'est parfait! Ok, ok, on emmagasine de la vitesse, on s'apprête à y aller. Il me touche pas! Ah, oh, j'avais pas assez de vitesse! Je n'ai pas assez de vitesse, ça me... je vais essayer de jouer classiquement, même après ce jumper là, je vais essayer de voler en tournant sur moi-même. Oui, la maîtrise est là. Non, là, tu vois. Ah si, il y avait besoin de voler. Bah, je comprends pas. Ça me bloque, il y a un truc qui me bloque. Je crois que j'ai jamais passé autant de temps sur un niveau jusqu'à maintenant. Coup de bol. Mais j'aurai pas des plateformes aussi grandes au futur. J'en ai marre de la musique! Et dire qu'il y a d'autres niveaux encore pires que celui-là? Oh
Oh là, oh là, il y a un bumper qui arrive. Allez, remets-toi droit. Non, 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 non. Allez, je reviens en arrière. Je le crois pas. Je suis revenu sur la plateforme d'avant. C'est un truc de malade. J'ai beaucoup trop de vitesse. Là, tranquille. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. Attends qu'il y ait de l'espace. Ok, le bumper est là. Non. Oui, oh putain. Ne tombe pas sur le côté. Ne tombe pas sur le côté. Waouh, putain, qu'est-ce qui se passe? Ta chance s'épuise, Omnibus. Wow. 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 Waouh, ok. Je suis pas capable de faire les prochains. Frein arriéré. Waouh. Waouh. Je suis mort. Le pilote, content de te revoir, Omnibus. Le chemin devant toi est impraticable. Si tu veux l'emprunter, tu vas devoir utiliser ton pouvoir de lave pour fabriquer des arrêts de bus d'urgence. Pendant que tu es en l'air, bonne chance. Ben, j'ai pas compris, mais pourquoi pas. Ok. Où est ma souris? Elle est là. Merci beaucoup, Narine Auteur. Merci deux fois, Narine Auteur. Merci, Nevio Cigaro Fioretta. Merci, Sagax. T'as raté quoi? T'as raté 1h30 de live. Merci, Underfire Monster qui dit GG. Et merci, Knut Shepard. Knut Shepard qui dit aussi je suis fort. Merci, c'est gentil. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, qu'est-ce que vous me demandez de faire, les copains? Oh, je suis un mec de lave. Explosé? Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oups. Explosé? Mais pourtant, je comprends pas. Je m'appelle pas Madiba. Explosé. Ah non, c'est là. Ah, il faut que je fonce dans un... Eh, pourquoi il a changé de couleur, le building, là? Il était bleu avant. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Explosé. J'explose. J'ai explosé là. J'ai appuyé sur le bouton explosé. Oh là là, mais quelque chose se passe et je ne comprends pas ce qui se passe. Déjà, je vais pas prendre autant d'accélération. Explosé. Le bus a explosé là. Mais monsieur. Monsieur, je comprends pas. Là, je viens d'exploser. Bah non. Bah écoutez, moi je vais faire le niveau à ma façon. C'est-à-dire que je vais juste prendre assez d'accélérateur pour atteindre l'endroit qu'il faut. Et puis voilà. Aïe, je vais tomber directement sur l'accélérateur, c'est pas bon. Pas grave, on l'évite. On l'évite. Ah, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh, j'aurais pu atterrir directement dans l'arrivée. Mon dieu, je le comprends pas ce niveau, pourquoi ils me disent exploser. Salut Farouk, juste pour te dire que t'es le meilleur, merci Redmav. Je sais pas si t'as raison, mais c'est gentil. Exploser ne me change pas ma vitesse ou quoi que ce soit en fait. C'est très étrange. Tu peux te remettre droit s'il te plaît. Ah. Ah. Espèce de con. Oh merde, j'ai appuyé sur le nom. J'ai appuyé sur mon bouton. Bah en fait c'est pas qu'il semble difficile. Non mais j'appuie sur A, je ne suis pas con hein. J'appuie sur A. Explose au sol. Ah. Mais là ils disent des... fabriquer des arrêts de bus d'urgence pendant que tu es en l'air. Pendant que tu es en l'air en fait. Tu vois là j'appuie sur A, il ne se passe rien. Ils me disent que c'est pendant que je suis en l'air que je peux créer quelque chose. Attention, j'appuie sur A, je laisse enfoncer A, je rappuie sur A.
Rien ne se passe. Et j'appuie bien sur le bon bouton que j'utilisais pour la gravité avant et tout ça. J'appuie. Rien ne se passe. On va passer là. On va passer là. Tiens. Ah, il y a quelque chose qui va pas. Il me manque clairement une mécanique. Je viens d'appuyer et vous voyez la petite animation du mon véhicule qui explose, mais en l'air il se passe rien. Est-ce que quelqu'un est tenté pour aller voir une vidéo YouTube et pour me dire s'il se passe quelque chose chez les autres personnes? Parce que chez moi ça bloque un peu. Non. Exploser que te ralentis quand tu touches le sol. Reste appuyé sur A, maintien enfoncé. D'accord. Peut-être qu'il y a une histoire d'inclinaison aussi. Ok. Je vais faire ce que vous me dites de faire. Ah oui, mais là non. Mais non, là je dépasse le sol. Je vais dire ce que vous me dites de faire, oui. Dès que tu touches le sol, d'accord. On va voir. Il faudrait peut-être que j'arrive à me recadrer bien sur le sol à un moment ou un autre. Là, ça va être bien. Donc, je laisse enfoncer. Pourquoi je n'arrive plus à ne serait-ce que toucher le sol, en fait? Ouais, là, c'est bien. Je laisse enfoncer, c'est bon. Est-ce que ça a freiné? T'as eu l'impression que ça a freiné quelque chose? On va le retenter. Je laisse enfoncer. Non, je suis toujours à la même vitesse, j'ai l'impression. On va le retenter. Sauf si je... Ah putain, ça me saoule. Pourquoi tout le monde me dit oui? Pourquoi tout le monde me dit oui? Pourquoi tout le monde dit oui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous dites oui? J'ai posé une question. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi pour que vous me disiez tous oui? Oui, tu ralentis. Mais tu sais quoi, je touche à rien. C'est bizarre que ce soit pas plus montré visuellement en fait ce que je fais. Genre qu'il n'y ait pas un truc qui se passe à l'écran. Ah oui, putain, ouais, il y a une espèce de petit frein au début. Ah, en fait, c'est ça, faut juste jauger combien tu prends d'accélérateur et à quel endroit tu t'arrêtes. Oh, que ça va être compliqué. Ah, j'ai pris de l'accélération, quel dommage. Top, 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 top. Ça freine et tu gonfles. Pas facile, facile, hein. Ah oui, ça freine bien, hein. Mais ça reste super dur. Ouais, ça freine, ouais, vous avez raison. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Juste à se mettre dans l'axe. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le... Ah oui, putain. J'ai pas très bien compris comment j'ai réussi les derniers coups, mais... Quelle évasion explosive. Je pense que je n'ai même pas compris comment se joue le jeu, en fait. Je crois... Je suis pas sûr d'avoir bien utilisé le système de l'explosion. Ah, Sagax. Merci beaucoup. Là, de tête, non, mais peut-être que oui. Merci, Hugo. Oui. Non, non, en fait, non. Pas en contact depuis quelques mois ou quelques années, je crois. Maintenant qu'il a une vie de famille, je n'ai plus de contact avec lui. Triste. Vous avez débloqué le bus de lave. Merci pour les GG. Je sais pas si je le méritais, merci. Bumper ballon. Oh, je stresse, je suis mort. Football Joe. Oh non, Football Joe, mais je te déteste! Mais tu vas me faire avoir un milliard de voitures sur le terrain, toi, non? Omnibus, on va enfin pouvoir faire un peu de sport ici. Mon sport préféré, en plus, du basketball. Tire dans ces quatre cerceaux. Montre-moi ce que tu sais faire. Tire dans ces quatre cerceaux. Avec moi? Ou avec quelqu'un? Oula, oula, oula.
Il y avait un canapé. Ah, oh. 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 Et alors, ça va partir directement dans... Ah, ça, c'est pas cool, ça. Putain, j'ai voulu arrêter l'explosion. Vu que, apparemment, on a un pouvoir d'arrêter de freiner. Et ça me stresse trop, ça. Et comment je... Une canne à pêche. Et je suis censé la récupérer comment, vu que je dois finir le niveau avec. Je sais pas. On va prendre de la vitesse. On va taper dans le ballon comme ça. Et j'explose, hein. C'est moi qui vais finir dans le panier. Waouh, il est trop dur ce niveau. On va prendre beaucoup de vitesse. On va prendre beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse. Ah ! Et l'impact, du coup, ne me fait pas sauter du sol. C'est ça. C'est pas ça. Ouh. Faudrait que je sois dans l'axe d'un panier. Un axe de panier, s'il vous plaît, c'est le moment. Ça va être super dur. Il y a tellement peu de chances que j'en mette un. Waouh. Nut Shepard, oui. Nut Shepard. Et si j'essaye d'exploser juste avant, ça ne fait rien. Et vous voulez que j'en mette 4? Je suis même pas capable d'en mettre un seul, je crois. Je retombe bien. J'en ai mis un. Ah, je suis mort. J'en ai mis un. Quelle chance de malade. C'est donc ça. Prendre beaucoup de vitesse, viser, exploser, entre guillemets, alors qu'on sait pas vraiment encore ce que ça veut dire, et attendre que ça se passe. Un axe. Ne serait-ce pas le niveau qui va nous faire arrêter le live à tout hasard? Parce que j'en ai connu des niveaux difficiles, mais pas impossibles. Mais bizarrement, celui-là... Oh, mais c'est fou! À chaque impact que je dégage, je fais quelque chose de pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut faire le jeu. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire le jeu. Et non, regarde, au moindre petit impact, je m'envole. Et si vous me demandez vraiment de jouer avec la vitesse à fond, sachant qu'il y a 150 000 ballons qui volent... Non, ton niveau est beaucoup trop dur, là. Des paniers, j'en compte. 1, 2, 3... Et là-bas, un seul. Ah, j'imagine qu'ils disparaissent, ces paniers, non? C'est pour ça qu'il y a 4 paniers. Non, mais sans déconner, au moindre impact avec une seule boule, tu dégages. Et le bouton explosé, je crois qu'il est inexistant. je tombe sur le dos. Prends un peu moins de vitesse, mais avec quand même beaucoup de vitesse. Oh, mais attendez, les boules peuvent me remettre droite. Je n'avais pas pensé à ça. Ah non, pas du tout. Un petit coup de boule. Non. Parce qu'avec le gros bond, tout doit aller dans le panier avec le bus. Bah, j'y ai pensé, mais non, parce qu'il me demande clairement d'en mettre 4. Hein. 4 cerceaux. Hein. Il me faut 3 accélérations. Eh ben, c'est quoi, on va tenter ça. Ça en fait une. Ça en fait deux. Bien évidemment, elle tombe sur la... Allez, on va voir ce que ça fait. Ah! À la limite, je peux casser moi-même le troisième cerceau. Donc c'est comme... C'est ça. En fait, faut pas essayer de mettre des paniers. Il faut envoyer les ballons en direction des cadres. Oh putain, please, le jeu, arrête là. Il faut détruire les 3 cadres avec les ballons. C'est super dur. C'est vraiment super, super dur. Voilà, là j'ai pris assez d'accélération. Au hasard, toi. Mais non!
Est-ce que je suis obligé de le prendre un peu sur le côté pour qu'il parte sur la gauche? Mais moi, si je m'en... Ah, attendez. Attendez. Attendez, on me dit que mon bouton explosé ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés regarder une vidéo et qui ont vu que le bouton explosé marchait. Et qu'en fait, facecam, je vais aller sur YouTube et regarder ça un peu. Je vais aller regarder une petite vidéo de gens qui jouent à Omnibus pour voir si je suis pas en train de louper genre la moitié du gameplay du jeu en fait. Omnibus, comme on dit, walk truth. En 16 minutes, speedrun en 16 minutes. Ça fait combien de temps moi que j'y suis là? Ça fait plus de 3 heures. Alors, le pont, on l'a vu, le Far West. Comment il fait? Ce niveau, c'est le boss, je me spoil pas. Je l'ai pas vu. Ça, je l'ai vu. Ça, ah, peut-être que vous voulez regarder aussi, je suis bête, pardon. Voilà. Ce niveau, il l'a fait. Donc là, il va arriver. Si je dis pas de bêtises. Non, ça, c'est le boss de fin. Quoi? Mais il lui manque des niveaux, là, non? Attends. Bon, le speedrun n'était peut-être pas une bonne idée en fait. Allons voir quelqu'un qui fait. Voilà, un let's play tranquille, normal. Oh merde, les gars. Ah, peut-être que personne l'a fait en fait. Toi. Ah non, il y a 2 ans. Ah quoi, mais il est sorti il y a 2 ans le jeu? Je suis persuadé que c'était tout récent moi. Ça, c'est ce que je viens de faire. Ça, je l'ai fait. Attendez, est-ce que t'as un bouton explosé toi? Vas-y, montre-moi comment tu fais. Bah, tu t'es chié, toi. Mais comment tu fais le bouton exploser, là? C'est quoi pour toi? Il arrache quitte. Ok, bon, c'est pas grave. Montre-moi le football. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah là là. Je regarde dans la miniature. Il arrive pas à en mettre... Ah, il en a mis un, là. Là, il en met un. Il en a mis un juste là. Comment t'as fait? Oh, tu vas tout doucement? T'as explosé, là? T'as fait une putain d'explosion! Je ne l'ai pas ce bouton explosion! Mais tu m'étonnes que c'est beaucoup plus simple. Et alors là, tu fais comment? Attends, mais s'il faut. Donc, du coup, le niveau d'avant, je l'ai vraiment fait. Tu sais pas jouer! Je l'ai vraiment fait sans le bouton qu'on me demandait d'utiliser, du coup. Peut-être t'y arrives pas. Et tu n'exploses pas. Mais en fait, tu joues au clavier à la souris. Mais tu m'étonnes que c'est impossible. Eh, regardez, qu'est-ce qu'il a fait là? Regardez, il arrive là. Et il explose en l'air. Et ça le. Je l'ai pas. Je l'ai pas cette option. En fait, tu m'étonnes. Il a une option qui le bloque en l'air et qui le fait retomber. Les gars. Je l'ai pas ce bouton. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Je suis trop dégoûté. Oui, le chat d'ailleurs. Allô, le chat? Vous êtes où? Vous êtes là. Je vous mets au-dessus de ma tête. Ne marche pas sur la manette? Mais non. Arrête. C'est pas possible. Bah ouais, mais je pense que je vais jouer au clavier, c'est sûr. Sauf que j'ai jamais joué au clavier de ma vie, putain. Je connais aucune des touches. J'imagine que c'est comme ça, hein. Ouais, comme ça là, oui, alors comme ça encore. Et l'explosion. C'est quoi le bouton d'explosion? Il doit exister quelque part. Ah, espace! Oh putain, et pourquoi je l'avais pas ce bouton sans déconner? Laisse-moi venir en face d'un. Oh, mais c'est tellement simple. Oh non, c'est abusé comment c'est. C'est beaucoup trop simple en fait. Je suis trop dégueu. Je me suis fait chier pendant tout le jeu alors que c'était si simple. Bon, j'ai pas réussi encore. Et en fait, l'explosion peut même me faire redevenir droit. Ah, pardon. Et oui, et si j'en mets, je me fais éjecter. Je m'en fous, j'ai l'explosion qui m'arrête en vol. Oh non, c'est si facile. Oh là là. Oh la déception. Non! Je dois finir le jeu au clavier, non!
Non. Oh, c'est beaucoup plus simple en fait au clavier. Ah, par contre, j'arrive pas à viser. Charge-toi. Pas bon. Il faut juste un petit peu d'élan. Ouais, toi t'es la bonne boule, toi. Je dis rarement ça de ma vie, mais toi tu es la bonne boule. Oh, mais j'avais vraiment un bouton en moins sur ma manette et je jouais depuis tout à l'heure sans ce bouton, mais tu m'étonnes que je chie dans le jeu depuis le début. Home run, quelle partie pour quelqu'un qui n'a pas de jambes, tu assures, mais en fait le jeu est trop facile. En fait, c'est si simple. Ah putain, je suis trop deg. Reste appuyé sur flèche de gauche ou droite quand t'es sur un boost, tu vas prendre un infini, sinon continue comme ça. Eh ben, merci Madfire. Mais j'ai fini le niveau pour le coup, merci beaucoup. Merci Toraf, l'exploratrice. C'est gentil, merci Zouzou, je finis le live. J'ai pas d'heure. Je finis le live quand je terminerai le jeu. Farod clavier souris. Oh, j'hallucine. Non, c'était la barre espace. Et sur la manette, le bouton A ne fonctionnait pas. Il a fonctionné pour le saut, pour le système de gravité, mais ici, il fonctionnait pas. Ne sois pas terre à terre. Mais du coup, je vais faire que ça, je vais jouer au clavier souris jusqu'à la fin. Une devinette pour toi, Omnibus. Comment fait un bus quand la route s'écroule sous ses roues? Il saute? Ah non, j'ai pas le pouvoir de saut. Là, j'ai le pouvoir de rien du tout, en fait. Je dois juste passer au milieu. Hop. Le bumper. À gauche. Ah ouais d'accord, ok, non je vais le faire à la manette celui-là. Ouais, une petite manette ça fera pas de mal. En fait c'est pas qu'il y a un chemin. Ah d'accord, c'est que vraiment ça se creuse sous mes pieds. Ah d'accord. Et passe. Oh, je passe par là. Mais du coup il me faut me connaître le chemin d'avance. Ça fait des petits zigzags du coup. Où va apparaître le trou? Ah j'en étais sûr. Je reste sur les lignes. Oh waouh! Oh waouh! Ah ben non! Elle tombe! D'accord, faudra partir sur la droite alors. Ça aurait pu être grave stylé de revenir sur le terrain. Faut juste apprendre le pattern du circuit par cœur en fait. Faut que je me stabilise sur la droite du coup. Voilà, il faut aller à droite. J'aurais dû passer sur la gauche du bumper, je pense. Oh, c'est facile! Oh, c'est facile! Ça va. Ah. Merci, Edgar Fortier. Ah, c'est la dernière ligne droite, je te tiens! Je pense qu'on va tomber, du coup, sur le boss de fin. Terminus, tout le monde descend. Confisque le permis du chauffeur. Tu te prends pour un dur, hein, Omnibus? Montre ce que tu sais faire, tu es démodé, dépassé, bon pour une retraite définitive. Où est les accélérateurs à gauche? Je pense que on a le pouvoir de gravité, j'en étais sûr. Oh non, j'en étais sûr. Je le savais. Ah, tu mets droit, hop, et là, va falloir voler. Il faut juste l'attaquer. Allez. Oui. Non, tu peux pas me faire ça maintenant. Il y a juste à lui mettre un petit coup. Mais à quoi servent les deux chemins sur les côtés là? Je suis perplexe. Oh, wow, calme-toi. Yes. Wow, la caméra qui n'en fait qu'à sa tête, j'aime pas ça. Je prends assez d'élan. Et je sais pas où il faut aller. Ah, je l'ai... Ok. Oh, et ça c'est quoi déjà? Il saute. Il me lance des rayons. Waouh, je recommence depuis le début à chaque fois, c'est fou. Il me lance des rayons laser et je dois sauter pour les esquiver.
En fait, j'ai juste à foncer dedans, hein. J'ai pas besoin de tourner sur moi-même ou quoi que ce soit. Je crois. Oui, c'est ça, ok. Par contre, ce niveau-là me fait flipper de ouf. D'accord, ok. Non, mais ça va, je suis dans l'axe tout droit. Je saute au moment où il va tirer, en fait. Ça va. Non, ah, je pensais que j'avais assez de vitesse. Non, fais chier. J'étais à deux doigts d'y arriver. J'étais à la moitié du combat. Mais c'est pas difficile, c'est juste que c'est long. Mais tout est faisable. J'abandonne pas. Allez, Nibus, t'es une grosse merde. Le bus vert a vraiment du mal à rester droit. Gravité, loup. Ah, la même. Ok, remets-toi droit. Nickel. Tu fonces dedans. Juste, tu fonces dedans, c'est bon. Je suis déterminé. Je n'abandonnerai pas. C'est bon, celui-là, ce niveau-là, je pense avoir compris. Je saute au moment où il va tirer. Je dois juste pas être face à lui, juste ça. J'ai sauté trop tôt. Il faut sauter à la limite. Il faut sauter au dernier moment. Ah, pas gentil. J'aime pas le bruit du robot, il fait peur. Ok. Tes cheveux sont normaux. Oui, mes cheveux sont normaux. Bravo, tu n'es pas aveugle. Tu possèdes le... Oh, non. Quelle erreur. Je suis revenu sur mon bureau. Quelle erreur. Ok. Je m'accroche. Je continue de m'accrocher. Ah, je n'ai plus de visuel sur le chat. Et j'en pense ça. J'ai de nouveaux visuels sur le chat, c'est bon. La souris, ouais, je la vois. Vous en faites pas. Je la rarrange. Allez, s'il te plaît. Yes. Hop. Bowser. En fait, Omnibus, c'est pas qu'un seul bus. C'est un concept. Tout le monde peut être Omnibus s'il le souhaite, en fait. Tu comprends? Mais j'ai sauté, monsieur. Bon, le niveau 1, je l'ai accepté, je suis dessus. Le niveau 2, c'est évité. Je saute. Je ressaute. Je saute juste avant, et c'est bon. Dernier. Oh non, il faut que je passe sur le clavier souris, mon dieu. Non. Ah putain, ça fait quoi? Ça casse des mains, ça, non? Qu'est-ce que je dois faire? Non. Les boules servent à quelque chose à 100%. Voilà, j'envoie une boule. Ouais, bien joué. Je peux me remettre droit. Enfin, je peux au moins me faire exploser. Non. Je veux pas m'en aller. Je suis toujours là. Je fais exploser ça. Je comprends pas ce qu'il faut faire, en fait. Ou alors les boules sont juste là pour me gêner. Et je dois juste foncer moi-même tout droit. Non. J'ai réussi à casser une main, regardez. Là, il y a... il y a une ouverture.
qu'il faudrait que je casse de plus en plus de mains en fait. Oh non! Oh quel dommage! Oh quel dommage! Je le voulais! C'était à deux doigts de passer, quel dommage! Je dois slalomer entre manette et clavier. C'est trop dur! Ah! Boudi. Ok. On l'a celui-là. Celui-là, je l'ai aussi. Wow, je saute très 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 haut. Ah, ça a marché, ok. Ah, faut que je passe à la manette. Non, enfin au clavier. Trop de stress en moi. Explosion. Non, 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 ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Chier. Ok, donc l'omnibus ne peut pas passer les mains. Il doit du coup niquer la main avec une boule. Et quand il y aura une ouverture, là je dois passer en sautant. C'est super difficile. Mais si c'était pas aussi dur, on n'appellerait pas ça un boss de fin. Pourquoi aller sur la dernière plateforme alors que tu peux voler? Je peux pas voler avec le bus explosion ne vole pas. Ok. Bon, attention, je passe au clavier. Je suis prêt. Je fais exploser des mains. Ah non. Ok, je peux revenir là. Remets-toi droit. Non, j'aurais dû garder. Ok. Je vais attendre qu'une boule me vienne dessus. Ah non. Elle me pousse, mais pas assez fort pour que ça me remette sur mes. Sur mes roues. Je pense que j'en ai encore pour une bonne demi-heure là. Qu'est-ce qu'il est dur ce boss de fin, mon dieu. Oh là là, tu me fais quelque chose que tu m'avais jamais fait avant, calme-toi. Bon, je suis désolé, ça risque d'être long. Vous subissez ça en même temps que moi. C'est pour ça que c'est mieux les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, il y a un montage et vous voyez que le moment où j'y arrive. Il n'y a pas de moment où je galère. Ouh, j'ai pas pris assez d'accélération, je crois. Non, 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 mauvais. Ah, j'ai oublié de sauter. J'ai sauté trop tard. Saute, 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 saute. Avance, 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 avance. Saute. Ouais, c'est bon. Ça, ça va être bien. Ok. Je passe sur le clavier. En fait, vu que les bombes viennent de là, voilà, il faut pas que je reste dans cet axe-là. C'est beaucoup trop dangereux. Pas que je reste dans l'axe, je viens de le dire. Non. Rallume-toi, rallume-toi. Yes, retombe sur tes pattes, s'il te plaît. Yes. Ok. Oh, il y a un grand espace juste là. Ah merde. Ne meurs pas, s'il te plaît. Non, omnibus. Tu peux pas me faire ça. Mais elle me passe à côté, elle me nargue les boules. Non. Tuez-moi, s'il vous plaît. Je l'aurais jamais demandé de toute ma vie, mais je souhaite qu'une boule me touche, s'il vous plaît. Oui. Oui. Oh,
contente. Oui. Oh oui, que c'est bien. Que c'est bien de se faire toucher par des boules. Ok, on va juste attendre qu'il y ait l'espace qui se creuse. Il y a un énorme espace. Là, là. Oh oui, ça passe, ça passe. Ok, je reprends la manette. On part sur quoi maintenant? La fusée classique. Les bumpers classiques. Je dois juste les éviter, ils m'envoient des boules de malade. Où est-ce que je dois aller? Oh, non, oui. Ah oh, bah oui, du coup, oui. Oh, oui. Yes. Oh, oui. Je suis content. Non, c'est impossible. Non, mais si. Tiens, voilà, je suis... Ouais. Oh, c'était pas dur. Non, franchement, ça allait, c'était pas si dur que ça, faut pas exagérer non plus, c'était comme ça, ça se fait de temps en temps, voilà. Putain. Crédit. Merci créateur d'Omnibus et du jeu vidéo, c'était grave cool. Waouh. GG Forward Games PC, merci Sagax. Waouh. Ah, je suis mort. Eh bien. Oh, c'était difficile, mais j'ai réussi, je suis content. Waouh. Eh ben merci à vous. À 19h pile, paf. Nickel, alors pile, eh ben écoutez hein. C'était fou, c'était dur hein. J'étais surpris quand je tournais ma vidéo de me dire qu'il n'était pas si dur que ça le jeu. Eh ben en fait un petit peu quand même. Il y a beaucoup de personnes qui ont bossé dessus à ce que je vois. Waouh. Wow. Eh ben du coup vous aurez la rediffusion de ce live sur la chaîne YouTube Farod Live qui est dans la description. Il y a plein de choses intéressantes dans la description si ça vous intéresse. Waouh, il y a beaucoup de monde, 6300 personnes, c'est énorme. C'est énorme. Eh hey, putain, d'habitude il n'y a pas autant de personnes à mes fins de live. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que vous êtes chaud pour qu'on continue sur un autre jeu et qu'on ne termine pas le live ici, si vous voulez. Go Fortnite. Non, en solo Fortnite, je suis pas très fort, non. Je pourrais, mais je suis pas très fort, non. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller tourner une petite vidéo. Si vous voulez, je peux vous partager un petit secret. Si ça vous dit. Non, putain, j'aurais pas dû dire ça parce que maintenant il y a tout le monde qui me dit oui dans le chat. Désolé, je vais m'arrêter. Ça m'a fatigué et j'ai besoin d'aller tourner une vidéo et surtout faire du montage. Et surtout, j'attendais les fins du crédit. Je peux vous dire un secret si ça vous intéresse. Le jeu s'arrête là du coup. Ok, d'accord, tout s'arrête là, très bien. Pouf, facecam. Pouf, on ferme le jeu. Comment on fait? Je maintiens. Ok, je vais fermer. Je me mets le chat devant moi. Et... est-ce que vous voulez un petit secret? Oui, ça, voilà, vous êtes... Voilà, en plus il y a du monde qui est parti, voilà, on était 6000 tout à l'heure, là on est 4400, donc moins il y a de monde et mieux c'est. De toute façon, je l'annoncerai dans ma prochaine vidéo et dans la vidéo d'encore d'après, je ferai une vraie annonce pour en parler. Comment vous annoncez ça? Parce que comment vous le dire sans que ça énerve des gens? Parce que c'est un sujet délicat qui va sûrement énerver des gens. C'est sûr et certain que parmi vous, il va y avoir des gens qui vont faire « Oh, Farod, pas toi !» Tu vois ce genre de truc. En gros, je vais monter et créer une petite boutique de vêtements liée à l'univers de Farod. Mais c'est fou que ce soit fond vert, ça. Ici, c'est jaune, c'est bizarre. Voilà, donc du coup, je vous le dis juste en avance, vite fait. J'en parlerai en intro de la prochaine vidéo et la vidéo d'après sera une vidéo... pour montrer tous les produits si je les ai tous reçus d'ici là. Et du coup, je peux vous montrer... merci beaucoup, Note Shepard. Je peux vous montrer... Il y avait qu'une vingtaine de personnes sur ma chaîne qui étaient au courant. C'était les subs, je leur avais dit en avance sur le Discord. Mais je peux vous montrer vite fait 2-3 produits parce qu'en fait, j'ai besoin d'avis. Voilà, je vous le dis pas dans le vent en mode « Hey les gars, il y a une boutique à aller acheter hein, !» Ça se passe pas comme ça non plus. De toute façon, moi j'incite personne à acheter ou quoi que ce soit. Ça existe, vous le savez, vous faites ce que vous voulez après. Voilà, vous êtes 3700. J'ai besoin d'avis. Donc là, il va falloir être sincère. Si c'est moche, faut me le dire. Si c'est pas beau, faut me le dire. Sachant que je n'ai pas tous les visuels. Je vais essayer de lire. Je vais vous les montrer là dans quelques secondes. Je vais essayer de lire le chat pour voir toutes les réponses. Mais si vous voulez me faire des avis un peu plus constructifs, en bien ou en mal, hein, si c'est une bonne, si c'est des jolis visuels ou si c'est des moches visuels, envoyez-moi un DM Instagram ou un DM Twitter ou même un mail. Bref, vous savez comment utiliser les réseaux sociaux. Je vais vous montrer ça
tout de suite. Il y a quelqu'un, il a dit c'est pourrave. Tu n'as même pas vu ce que j'ai proposé. Tu ne sais même pas ce que j'ai... Il a dit c'est moche. Tu ne sais même pas ce que j'ai proposé. En plus, il y a tout le monde qui va s'attendre à ce que je sorte un t-shirt ou un pull. Ah. Laissez-moi vous montrer ça. Je passe derrière mon fond vert. Hop, 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 hop. Hop là. Et je reviens, du coup, de ce côté-là. Hop, 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 hop. Alors... Ah merde, j'ai oublié les autres. Putain, quel con. Hop là et hop là. Alors, il y aura pas mal de produits différents. D'abord, je veux tous les recevoir chez moi pour juger la qualité, pour vérifier que je vais pas mettre en ligne à la vente de la merde. Pour l'instant, j'ai que deux visuels. Le premier... Attention. Attention. Le premier, c'est celui-ci. C'est un... Merde, il va être fond vert. Oh non, il est fond vert, on voit à travers, mais quelle erreur! Vous allez essayer de deviner ce que c'est avec le fond vert. Le premier, c'est un oreiller. Ah, un bon petit oreiller. Donc là, du coup, ce n'est pas vert. Hein. C'est complètement jaune. Et sur fond bleu, mais toutes les couleurs seront possibles et imaginables. Le design est trop grand, tu vois, pour ceux qui seront à l'avance. Je vais le rétrécir un peu, comme ça on pourra mieux voir les cheveux, mieux voir les petites mains, mieux voir les petits pieds. Je vous enlève, si vous voulez, rapidement, juste le filtre pour que vous voyez mieux. Voilà, hop, voilà. Donc c'est très coloré, hein. ça va être assez peps, c'est du jaune sur du bleu pour que ça ressorte bien, mais après, toutes les personnes pourront choisir la couleur qu'ils veulent en arrière-plan. Mais attention, ce n'est pas fini, je vais en montrer un deuxième qui est encore plus intéressant selon moi, c'est mon préféré du coup. Je baisse juste ça. Un autre design, assez égocentrique si je puis dire, qui va mettre en scène Monsieur Farod, gamme cela, sur une couleur un petit peu plus... Un petit peu plus rouge, tu vois, bordeaux rouge saumon bien clair. Un monsieur Farod comme ceci. Donc toujours sur le délire de l'oreiller. Toujours le design est encore un peu trop grand, tu vois, il dépasse un peu trop sur les bords. Je voudrais le retrécir pour pas qu'il soit mangé sur les côtés. Donc du coup, ah, je vous montre comme ça. Sauf que ce dessin a une particularité. Donc là pour l'instant je vous raconte ce que j'ai à vous dire. Donc je ne lis pas encore le chat malheureusement. Il a une particularité, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que ça je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Et j'en suis très content, je voulais vraiment faire quelque chose comme ça. Je pense que certains vont comprendre de quoi ça parle. Le design de Farod comme celui-ci possède un casque gamer. Mais c'est le casque vert fluo. Ce n'est pas le casque PewDiePie. Ce qui veut dire que, comme j'ai dit, tu peux choisir la couleur que tu veux pour l'oreiller, bleu, vert, jaune, noir, blanc, tout ce que tu veux. Quelle que soit la couleur que tu choisiras, eh bien le casque prendra la couleur, en fait. Et du coup, ça, je peux vous le montrer sur, par exemple, un petit pull. Alors, comme tu vois, le pull, il y a le dessin Farod, et du coup, le casque, là, tu vois, alors, je vais te le montrer de face, le casque va, du coup, récupérer la couleur d'arrière-plan. Je peux te le montrer sur autre chose, encore une fois. Un autre pull, mais cette fois-ci à capuche, que j'aime pas trop les pulls à capuche, donc je sais pas encore si je vais les mettre à la vente. Du coup, le casque récupère la couleur rouge du pull à capuche. Et ça, du coup, ça permettra d'un côté d'avoir... Chacun aura sa couleur exceptionnelle, si je puis dire. C'est bête, hein, l'idée est comme ça, parce que du coup... Attends, comment je le remets? Je remets le filtre comme ça, parce que du coup, voilà, moi j'utilise un casque qui est invisible, qui est transparent, qui me permet de voir à travers, et en vidéo, tu peux y mettre toutes les couleurs que tu veux, et je tenais vraiment à retranscrire ça sur un vêtement, et du coup, c'était compliqué, et en fait, pas tant que ça, il suffisait simplement de mettre le casque en transparence, et du coup, d'y récupérer la couleur d'arrière-plan, voilà. C'est juste ça. La dessinatrice s'appelle @Marshall Pie. Ah là là, j'ai peur de dire une bêtise. Mais de toute façon, quand je ferai la promotion vidéo, il y aura son @ qui apparaîtra. Si vous voulez vraiment connaître la dessinatrice, il faut aller sur mon Twitter. J'ai dû retweeter un de ses dessins durant ce mois-ci ou le mois dernier. Et je pense que vous reconnaîtrez le style de dessin. Donc il y a plusieurs visuels. Il y a celui-là, Farod classique. Il y a... Le Steven que je voulais apposer sur des chaussettes. Chose que j'ai faite, mais je spoil direct. Marshall, oui c'est ça. Je spoil direct, elles ne seront jamais à la vente en fait les chaussettes. Je ne les mettrai pas à la vente, je ne veux pas les mettre à la vente. Du coup des chaussettes comme ceci avec plein de petits Steven comme ça. Le problème c'est que la boutique sur laquelle je passe en fait, ils font pas des bonnes chaussettes. Je vais être clair avec vous, regardez. La longueur qu'il y a entre le pied et le talon est plus grande que ma main. Enfin, Attends, je vais essayer de te le montrer avec mon vrai pied. Hop. Tu vois, ça, c'est quasiment à la bonne taille, mais
Je sais pas, même en les ayant mis, le dessin, déjà, tu peux pas trop les tirer, c'est pas agréable, la texture est pas agréable. Quand tu tires le dessin est étiré sur le pied, on comprend pas bien. Les chaussettes sont très... Ça fait très bas de gamme, en fait. Et c'est dommage, parce que ça aurait pu être un truc cool, donc j'attendrai de voir si un jour, quelqu'un d'autre me propose de bosser pour faire des chaussettes, mais pour l'instant, je ne le fais pas. Peut-être qu'un jour, ça sortira, mais le site que j'utilise ne propose pas des chaussettes de qualité, donc... Mais ça, c'est mort. Et tu vois, c'est pour ça que je veux recevoir les produits à l'avance, pour être sûr que c'est pas de la merde, en fait, et que je commence pas à vendre sans avoir ce que je vends. Du coup, c'est pour ça que ça... Mais là, ça commence à être long, en fait, les envois. Ça fait 3 semaines que j'attends un peu tous les produits. Donc, il y aura, moi, mes objets préférés. Oh, que je suis flou, tout à coup. Mais il a pété un câble. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu es fou. Tu te permets de jouer avec la mise au point tout seul, mais tu es totalement barré. Attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Paf. Complètement fou, il a pris la confiance. Les produits que je préfère pour l'instant, c'est les petits oreillers, les petits coussins. En plus, ils sont pas dégueux. Ils sont vendus avec la housse et avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est un vrai coussin que tu reçois directement chez toi. Et ils sont bien. Et il va y avoir des t-shirts et des vestes. Du coup, comme je l'ai dit, le design d'un t-shirt et d'une veste, ce sera le Far Out classique. Là, ça sera vraiment pour ceux qui sont vraiment fan et qui sont capables d'afficher qu'ils aiment Far Out. C'est pas tout le monde qui en est capable, je le sais bien. Je vais faire des trucs un petit peu plus discrets. J'ai commandé aussi un petit dessin de date du nez qui pourra se placer par exemple sur un pull comme ça, tu vois, sur un pull classique ou sur une veste ou sur un t-shirt. Il va se mettre en haut à gauche au niveau du cœur comme un petit logo, comme un Lacoste ou ce genre de petit logo là. Il sera très discret. Il y aura le même, tout pareil, le pull avec le petit date du nez et avec dans le dos un gros dessin, encore un autre visuel que je ne vous ai pas encore montré, que je garde, c'est la surprise. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en tête? Et après aussi, des t-shirts avec un dab du nez, mais à la taille grande aussi, pour ceux qui veulent discret, mais quand même grand, pour ceux qui veulent l'afficher, ceux qui veulent discret. Enfin, je vais essayer d'en faire assez pour ceux qui veulent se cacher et tout ça, et ceux qui veulent exposer. Et le site me propose aussi de faire des petites tasses et des petites coques de téléphone, ça, j'ai pas encore essayé, mais bref. Voilà, c'est en construction, ça va prendre du temps, ça va s'étaler petit à petit. Il n'y a pas d'investissement de ma part, je ne paye rien pour mettre ça en place puisque c'est via un site, je n'ai pas créé de société qui va fabriquer le vêtement directement, c'est ce fameux site là, Teespring, qui se met en accord avec les chaînes YouTube, tu sais qu'il y a la boutique qui apparaît en bas, il y a sûrement, vous connaissez sûrement des youtubeurs qui passent par ça depuis quelques temps. J'essaye, je n'investis rien donc je ne perds pas d'argent. S'il y en a qui veulent commander, ils vont les acheter, moi je toucherai un petit truc. Si personne veut commander, je perds rien en fait, donc c'est pas, il n'y a pas de risque en fait là-dedans dans ce que je fais. J'ai acheté les droits du dessin aux dessinateurs et aux dessinatrices qui m'ont fait les dessins pour moi. Mais sinon, à part ça, c'est juste un petit investissement comme ça. Du coup, voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Les prix, je ne les ai pas fixés, mais ça sera, ce seront, je peux pas te le dire, je sais pas du tout. Ça sera pas abusé, il faut pas dire ça comme ça. Ça sera pas... Ça dépend en fait ce que tu vois comme prix. J'ai envie de dire que ce sera pas trop cher, mais par exemple, si tu vois combien sont vendus les pulls chez Unicorn, ça sera en dessous. Ça sera pas les mêmes prix, ça sera vraiment en dessous parce que je sais que c'est pas la même chose. C'est juste. Enfin bref, ça sera pas les mêmes prix. Je vais essayer de voir un peu tous les prix de vente de tous les youtubeurs sur ce site là précisément pour essayer de me faire une petite moyenne pour pas mettre des prix trop chers comparé à eux. J'ai pas encore réfléchi, je t'avouerai. Mais ça devrait tourner aux alentours de 20€ le t-shirt et peut-être 30€ le pull. Le pull comme ça. À capuche ou sans capuche, du coup. Moi, j'ai ma petite préférence pour le pull à capuche. Non, perdu. J'ai ma petite préférence pour le pull sans capuche. Je vais le mettre. Ouais, ça sera entre 20 et 30€, je dirais. 50€ Non, pas jusque-là. Les coussins, je crois qu'ils sont... Ils sont un peu plus chers parce qu'en fait, il y a trois tailles différentes des coussins, mais il faut prendre la taille la plus basse. Moi, j'ai pris la taille la plus basse et elle est très bien, en fait. Si tu commences à prendre un coussin beaucoup trop grand, je vais pas dire c'est vulgaire, mais c'est abusé. Les coussins sont déjà en ligne parce que ce seront les tout premiers... Je vais te le dire ça tout de suite. Teespring Store Far Out. Les coussins dans la taille la plus basse seront à 27,99€. Il y a des tailles plus hautes qui coûtent plus cher, mais moi je recommande pas de prendre les plus chères. Je trouve que la taille la plus basse
40 cm sur 40 cm, c'est la plus... Ah oui, et il y a des frais de port aussi. Les frais de port ne sont pas affichés, ouais. Je sais pas. Du coup, vu qu'il y a que vous, je vous balance, si vous voulez, le site de la boutique. Je l'avais gardé de côté. Vous êtes 2800, il n'y a que vous qui connaissez le site. Et moi, après, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo qui sortira mercredi. Voilà, je viens de lancer boutique Farod 2 points. Pour l'instant, à la vente, il n'y a que les deux coussins. Je n'ai pas mis les pulls parce que j'ai encore envie de vérifier, les mettre au lavage plusieurs fois pour vérifier qu'ils s'abîment pas, tout ça, et pour être sûr que je ne vends pas un truc qui dans 3 semaines est tout pété. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon dimanche. On a eu un gros pic de viewers, hein, 6000 personnes. Pas constant, mais ça tournait toujours autour de 4000, 5000, 6000 personnes, donc c'est super cool. J'espère que le live vous aura plu, je suis très content. Et... ouais, heureux d'avoir pu terminer Omnibus, qu'est-ce qu'il était dur ce jeu vidéo. Merci beaucoup Sagax, Bluecat, ah c'est gentil ça, et Ceroid, c'est très gentil aussi, merci. Je vous attends en privé pour ceux qui veulent venir m'en parler, me donner leur avis, je ne répondrai pas forcément, mais je vais lire tout ce qui me sera proposé, privé Twitter, privé Instagram et par mail, privé Facebook c'est un non, ne venez pas là-dessus, privé Snapchat non plus, venez que sur Twitter, Instagram et par mail. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos, merci beaucoup, je vous rebalance le lien de la boutique dans le chat si vous voulez vérifier, et je vous dis amusez-vous bien et bon courage à demain, enfin bon courage demain pour vos révisions. Vos révisions pour l'école. Eh, je suis trop fatigué. Vite, il faut que je me casse. Allez, à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Et il faut que je vous mette la musique. Où est la musique? La musique est là. À bientôt, tout le monde. Bisous. Et ciao. Et j'étais très méchant parce que je l'ai oublié, mais merci aux modérateurs qui ont été là et qui ont modéré. J'en ai vu passer quelques-unes même. Merci beaucoup d'avoir modéré pour moi durant ce live, c'est très gentil. À bientôt, vous aussi, sur YouTube ou sur Discord. Des bisous et ciao.